Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Soyez les bienvenus sur le canal de l'âme pour cette nouvelle soirée en compagnie de Fabrice Mouchin. Bonsoir Fabrice. Bonsoir, bonsoir à tous et merci de nous accueillir pour cet atelier. Est-ce que vous nous entendez bien? Parce qu'on a un petit problème technique de notre côté, c'est que Muriel ne m'entend pas. Et c'est génial. Et c'est génial. Alors, si Oui, alors vous entendez dites-nous bien tout, parce Fabrice et Muriel, dites yes, yes, yes dans le chat, s'il vous plaît. Ils nous disent tous que ça marche, Fabrice, donc c'est super. Génial, génial. Moi, Alors, je vais me connecter, voilà, on va. comme on l'a dit tout à l'heure en off, pour pouvoir t'entendre. Alors, je vois que vous êtes très nombreux là, ici, sur le chat, donc c'est vraiment super, soyez vraiment les bienvenus. Et Fabrice, avant d'entrer dans le vif du sujet sur les corps subtils, sur la géométrie sacrée, est-ce que tu peux, s'il te plaît, te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas encore? Alors, bien sûr. Donc, déjà, merci de m'accueillir sur la chaîne du canal de l'âme. Donc, je m'appelle Fabrice Mouchin. Je vais être assez rapide sur la présentation parce que c'est pas tellement ça qui va être intéressant. Alors, je vois que j'ai une lumière là qui est un peu bizarre. J'irai l'éteindre tout à l'heure pour éviter que ça fasse blanc là au-dessus. Donc, je m'appelle Fabrice Mouchin et si je suis là ce soir avec vous, c'est pour vous parler de géométrie sacrée, de radionique pour être plus précis et pour être encore plus précis de radionique sacrée intuitive. Et pourquoi est-ce que je viens de vous parler de ça? Parce que en 1998, j'ai rencontré un maître de sagesse dont je suis les enseignements depuis ce temps-là maintenant, donc ça fait 23 ans maintenant. Et l'une des premières choses qu'il m'a enseignées, c'est cette discipline de l'utilisation de la géométrie sacrée pour faire des actions à distance. Et c'est un outil formidable. Donc ce soir, je viens dans cette qualité d'élève pour vous parler de cette pratique qu'il m'a autorisée avec un binôme qui s'appelle Patricia Deschamps, avec qui on retransmet maintenant en son nom cet enseignement. Et ce maître de sagesse, pour ceux qui se posent la question, il s'appelle Lou Blanc et il a un site, si vous voulez aller voir, qui est chamanisme-origine.fr. Alors, avec le chat, je vous invite à poser des questions quand vous voulez. Je suis là pour ça. Je vais vous faire une présentation, hein, ce qui est prévu ce soir. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi l'interaction, c'est-à-dire de vous poser à vous des questions. Et en retour, eh bien, de faire aussi le jeu de poser des questions et de répondre. Donc, déjà, je vais vous poser une première question. Ça va me permettre de jauger un petit peu ce qu'on appelle le temps de latence, c'est-à-dire le moment entre lequel où je parle et celui où vous entendez et vous répondez. Parce que quand on utilise Internet, vous êtes probablement des habitués, si vous suivez des conférences sur ce canal et probablement sur d'autres, eh bien, il y a un petit lag, un petit temps d'attente. Et moi, ça me permet de savoir au bout de combien de temps je dois m'inquiéter si personne ne répond. Donc, ma première question, c'est est-ce que vous connaissez la radionique? Est-ce que vous connaissez la radionique? Est-ce que vous en avez déjà entendu parler? Et est-ce que vous pratiquez? Si vous pratiquez, vous me dites juste oui, je pratique. Ou un juste oui, vous connaissez, vous avez entendu parler, ou non, vous ne connaissez pas. Ça va me permettre de jauger un petit peu l'audience. Catherine, non, merci. Donc je vois qu'on est très rapide au niveau de la synchro, donc ça c'est bien. Ah, j'ai vu passer un oui. Qui a dit oui? Ah, j'aime bien les gens qui disent oui. HM Énergie, un petit peu. C'est Marianne qui nous a dit oui. Et puis sinon, ben, ça n'a pas l'air d'être un sujet. Entendu parler, Corinne. Non, pas du tout, Isabelle. Ah bah alors du coup, ça m'amène à une autre question. Qu'est-ce qui vous amène ici ce soir? Qu'est-ce qui vous a attiré à venir à cette visioconférence du canal de l'âme? Qu'est-ce que vous attendez de cette visioconférence? Et puis pendant ce temps-là, bah, je vais vous parler un petit peu de ma pratique de cette discipline. Quand j'ai rencontré Lou Blanc, donc en 98, comme je vous le disais, en juin. Je ne connaissais absolument rien à la spiritualité et c'était quelque chose qui ne m'intéressait pas. Je gravitais dans l'ésotérisme depuis pas mal d'années et c'est plutôt quelque chose qui était ma tasse de thé à ce moment-là. Là, j'avais envie, au travers de cette soif de culture ésotérique, de trouver
Ah, Françoise, Sarah Arbona. D'accord, génial. Sarah Arbona, il m'accompagne. Et qui fait de l'astrologie et qui a fait une conférence la semaine dernière, justement sur l'astrologie et son approche de l'astrologie, ce qui est super, qui est vraiment sympa, très différente de ce qu'on trouve dans les bouquins et très vibrante. Et donc, je cherchais au travers de l'ésotérisme des outils pour pouvoir transformer ma vie, transformer ma destinée, et j'avais pas encore compris à ce moment-là que pour transformer notre vie, nous avons besoin de mourir à nous-mêmes, de devenir quelqu'un de différent. Et ça, c'est quelque chose qui est très intéressant à comprendre. Et quand j'ai rencontré Lou Blanc, eh bien, la première claque que j'ai prise, elle a été à cet endroit-là. C'est-à-dire que j'ai vécu des trucs très très forts. Et je vous en raconterai, si ça vous intéresse, je vous raconterai un petit peu ce qui s'est passé la première fois que je l'ai rencontré. La rencontre, il nous a toujours dit, c'est le moment le plus important dans la relation, c'est la rencontre. Et donc ce premier week-end que j'ai passé avec lui, on l'a passé à respirer. Il nous a enseigné un pranayama, donc une technique de respiration. On a fait de la méditation et essentiellement de la respiration. Et ça a été tellement fort que j'ai voulu revenir pour découvrir d'autres choses. Et la fois où je suis revenu, il nous a enseigné ce dont je vais vous parler ce soir, cette radionique sacrée intuitive que lui appelle onde de forme. Et cet outil, il a littéralement changé ma vie, mais complètement. J'étais étudiant sur Paris à l'époque, je vivotais avec des petits jobs étudiants et j'ai mis en place mes premières planches de travail. Alors, pour l'instant, j'ai bien conscience que les mots que j'emploie sont un peu barbares, mais je vais vous les expliquer au fur et à mesure. Et je vais vous parler d'une des expériences que j'ai faites. J'étais étudiant donc sur Paris et je rencontre cet enseignement et waouh, je me dis waouh, c'est ça que j'ai envie de faire. Je cherchais ça tout le temps. J'étais curieux de tout dans l'ésotérisme et tout ça, mais finalement, ce que je cherchais, c'était cet enseignement. Il m'a tellement nourri que j'ai plus eu aucun doute à ce moment-là de cette deuxième rencontre. Je me suis fait la promesse de ne plus rien rater de ce qu'il faisait. Et encore aujourd'hui, je ne rate plus rien de ce qu'il fait. Et ça fait 22 ans, 23 ans presque. Et aller faire des week-ends, eh bien, ça coûte. Il y a un coût d'enseignement, il y a un coût d'hébergement, il y a un coût de transport. Et j'étais étudiant, je faisais des petits jobs, mais c'était juste ce qu'il me fallait pour vivoter déjà. Et donc, j'ai décidé de faire une demande. Parce que quand on fait de la radionique, on fait des demandes. Et ma demande, c'était que je sois en capacité financière de suivre tous les enseignements de Lou Blanc sans aucune restriction. Et j'ai mis en place ce travail. Les ondes de forme, ça travaille comme ça. La radionique, c'est comme ça. On met ce qu'on appelle un montage radionique en place. Et je vais vous expliquer après ce que c'est exactement. Et ensuite, on le laisse agir pendant un certain temps. Et après, on le débranche. Vous voyez, c'est comme on branche quelque chose, on branche un appareil. Hop, il est en fonction, et puis après on le débranche pour l'arrêter. Et ben là, c'est un petit peu pareil. Et sauf que ce qui s'est passé, c'est que j'ai complètement oublié de le débrancher. Et quand on laisse travailler un montage de radionique trop longtemps, en fait, ça génère une forme d'excès d'énergie qui n'est pas très intéressant pour nous. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que je l'ai oublié. Et à la fin du mois, j'ai pris mes relevés de compte et je me suis dit, OK, où est-ce que j'en suis dans le rouge? Parce que je suivais ça de très près, on travaillait beaucoup avec les chèques. En France, c'est un pays un peu particulier, on est l'un des seuls à avoir encore des chèques. Et à l'époque, je faisais beaucoup de chèques, parce que la carte bleue était beaucoup moins répandue, et qu'on travaillait surtout en espèces. Et donc, je faisais des chèques, ça me permettait d'une certaine manière, c'était presque un microcrédit. Je savais qu'il allait être encaissé que une semaine plus tard. Et donc, ça me permettait de jouer comme ça avec les découverts, avec l'argent qui rentre, qui vient, comme j'étais toujours sur la corde raide, c'était pas mal. Et à la fin du mois, je me dis, OK, je vais voir l'état de mon compte, où est-ce que j'en suis, est-ce que je vais pouvoir aller au prochain enseignement? Et je sors mon dernier bulletin de compte, qui était papier, il n'y avait pas encore Internet et tout ça à l'époque, ou encore c'était les prémices des prémices, et j'étais dans le positif, mais quelque chose d'incompréhensible. J'étais peut-être à 1000 euros dans le positif. Enfin, c'était pas des euros à l'époque, c'était 1000 francs. J'avais 1000 francs. Et je me disais, waouh, il y a forcément plein de chèques qui sont pas passés, qui n'ont pas été encaissés. Donc, j'attrape mes talons de chèque et je commence à pointer tous les numéros des chèques pour savoir ce qui est passé ou pas.
Et à la fin de ma vérification, tous les chèques étaient passés. Et là, je me suis dit, il y a un problème. Donc, j'ai commencé à éplucher les crédits, c'est-à-dire qu'est-ce qui rentrait sur mon compte. Et là, je vois 1500 francs qui sont arrivés sur mon compte en banque. Et je vois le nom d'une boîte allemande qui m'avait envoyé cet argent-là. Une boîte que je ne connaissais pas. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ça vient d'où? C'est qui? Et là, tout d'un coup, éclair de génie, je me suis dit, mais attends, ce mois-ci, là, au début de mois, j'ai commencé à travailler avec une boîte allemande pour aller relever des prix dans des supermarchés. Mais ça me rapporte pas cet argent-là. C'est ça. 1500 francs, à l'époque, c'était presque un salaire mensuel, quoi. Même un peu plus. Donc, j'ai appelé ma responsable, avec qui je venais tout juste de travailler. Et j'ai dit, ben voilà, je suis embêté, je viens de recevoir de l'argent là sur mon compte. Alors, je suis très content, mais je comprends pas pourquoi. Est-ce que c'est une erreur? Est-ce qu'il faut que je vous le renvoie? Et elle m'a dit, ah ben, c'est bizarre, parce que ce que vous avez reçu, c'est la prime annuelle des salariés de la boîte allemande. Et normalement, il n'y avait aucune chance que vous receviez cet argent. C'est pas pour vous, c'est pour les salariés allemands de la boîte allemande. Mais puisque vous l'avez reçu, ben, tant mieux pour vous, gardez-le. Et là, je me suis dit, punaise, mais j'ai fait une onde de forme pour ça. J'ai fait une demande. Je l'ai oublié, la planche. Et en regardant la date du virement, c'était le lendemain du jour où j'avais mis en place la planche de Radionic. Et là, j'ai fait, waouh, c'est marrant, c'est interpellant. Est-ce que c'est lié? Et après, eh ben, ça a été plein d'expérimentations avec ces planches de Radionic et les résultats qu'elles ont apportés. Et ça a été le début de mon histoire avec cette discipline et le fait de la travailler régulièrement avec tous les bienfaits qu'elle apporte. Alors, je vais prendre quelques instants. Je vois que Muriel est revenue. Donc, Muriel, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu m'entends maintenant? Alors, je regarde dans le chat un petit peu ce que vous avez répondu. Alors, en savoir plus, la curiosité, Laurence, okay, géométrie sacrée pour Mireille. Hein. Oui, alors, oui, Fabrice, je t'entends. Alors, en savoir plus. Alors, ce serait peut-être bien que tu aies un casque, parce qu'on entend l'écho. Oui, alors, oui, Fabrice, je t'entends. Alors, j'ai entendu parler, ça m'intéresse. Le terme de géométrie sacrée, la géométrie sacrée, m'informer. Avoir plus de connaissances sur la géométrie sacrée. Ok. C'est intéressant pour moi de savoir un peu par où vous êtes passé et pourquoi ça vous a intéressé de venir, parce que je me demande toujours comment, par quel bout le prendre, comment en parler de cette discipline. Et c'est vrai que l'axe de la géométrie sacrée, ça parle souvent plus aux gens. Et qu'est-ce qu'on voit dans la géométrie sacrée? On pense aux cathédrales, on pense à la géobiologie, souvent, c'est assez lié. Et du coup, voilà, découvrir ce que c'est que la pratique et un outil complémentaire pour la chromothérapie. Ça, c'est très intéressant, la chromothérapie. OK. OK. Alors, ce soir, donc, on va vous parler du taux vibratoire et de comment augmenter votre taux vibratoire avec la géométrie sacrée. Et donc, la géométrie sacrée, je vais l'aborder sous l'angle de la radionique. Donc, comme je vous disais, la radionique, c'est comment agir à distance grâce à la géométrie sacrée. D'où est-ce que ce constat est venu? Pour faire un petit peu d'historique, le terme onde de forme, il a été intronisé et défini par De Bélisal au cours du 19e siècle. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas d'utilisation de la géométrie sacrée avant. Bien évidemment, on le voit dans toutes les cultures, il y a toujours eu un attrait particulier et un savoir par rapport à tout ce qui était architectural en particulier. On pense immédiatement, quand on pense à la géométrie sacrée, on pense aux cathédrales, on pense aux pyramides d'Égypte, mais il y a encore plein de choses comme les civilisations sumériennes et tout ça. Il y a énormément de choses qui ont utilisé toujours ce lien avec la géométrie sacrée, et de comprendre que l'univers, il est basé sur des formes géométriques, en fait.
tout ce qui est fractal, il y a énormément de choses. Et il a introduit le terme onde de forme avec la définition suivante, c'est l'influence qu'a une forme géométrique sur son environnement. Et c'est l'onde de la forme. Et donc, toute forme génère une vibration qu'il émane jusqu'à un certain point au niveau de la distance. Ça dépend de la puissance de la forme et qui est liée à sa forme, à sa régularité, à sa matière. Donc, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Et elle influe sur l'environnement. Et ça, c'est quelque chose qui est reconnu depuis des millénaires. Si on prend le Feng Shui, par exemple, dans le Feng Shui, on nous dit ne mettez pas votre lit sous des poutres saillantes. Ne travaillez pas avec des cactus à côté de vous, parce qu'il y a des pointes. Parce que ça, c'est ce qu'on appelle le char chi, donc les flèches de chi, c'est des énergies agressives. Donc, elles ont une onde de forme qui est déstructurante pour le corps humain. Et être en dessous, eh bien, c'est compliqué. Alors, Aurélia, je suis désolé si tu as des soucis de connexion. Et de toute façon, il va y avoir la rediffusion derrière. Donc, c'est enregistré. Si c'est trop pénible pour toi ce soir, tant pis. Si tu as quelques questions, n'hésite pas à me les envoyer après par mail. Je vais vous mettre ça directement. Je crois que j'ai la capacité. Regardez. Hop. Juste un instant. Voilà, je vous mets ça en tête. ODF, onde de forme, @chamanisme-origine.fr. Si vous avez des questions, vous pouvez nous envoyer. Je dis nous parce qu'il y a moi et Patricia qui sommes derrière cette boîte mail. Nous pourrons répondre aux questions que vous nous envoyez avec un grand plaisir. Et Patricia est une experte en Feng Shui et en Vastu Shastra. Voilà, je vous le dis, vous le savez, pas que, hein, elle fait pas que ça. On est initié à beaucoup d'autres techniques. Mais en particulier, elle a ce domaine de compétences. Et c'est pour ça que je peux vous parler un petit peu de Feng Shui, parce que j'ai appris avec elle beaucoup de choses. Et donc ça, c'est savoir que les formes émanent, rayonnent une vibration qui leur sont propres et qui permet de générer une transformation de l'environnement. On parle beaucoup de la fleur de vie, par exemple, qui est une forme sacré, on va dire ça comme ça, géométrique, hein, c'est un cercle avec des cercles concentriques à l'intérieur, ça forme une espèce de fleur, et cette forme, eh bien, elle rayonne quelque chose. Et la radionique, eh bien, part de l'utilisation du rayonnement de ces formes pour les soumettre à un sujet afin d'agir sur quelqu'un ou sur quelque chose. Agir sur le vivant, agir sur une situation, agir sur un lieu, on peut agir sur des situations, sur des personnes, sur des animaux, sur des plantes, on peut faire beaucoup de choses, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et pour faire un petit triptyque intéressant, quand on veut travailler sur une maison, vous voulez avoir des bonnes énergies chez vous, eh bien, il y a trois axes qui sont intéressants à considérer. Le premier, c'est la géobiologie, qui va s'intéresser au sous-sol, avec les nœuds Hartmann, avec les failles telluriques, etc. Vous avez ensuite le Feng Shui et le Vastu Shastra. Le Feng Shui et le Vastu Shastra vont travailler sur la forme de votre maison, sur son écologie énergétique, donc c'est la médecine de l'habitat, et du terrain aussi, ça peut aussi travailler sur le terrain. Et la troisième, eh bien, ce sont les ondes de forme en elles-mêmes qui vont pouvoir être amenées à l'intérieur de la maison pour pouvoir amener des énergies particulières directement dans la maison. Alors, il y a une question de Sandra. Bonsoir. Est-ce que si on a ces formes photocopiées sur une feuille, leurs bénéfices restent intacts? J'ai une fleur de vie et l'Ankatana, je connais pas l'Ankatana, merci beaucoup. Alors, la réponse est oui, ça pose pas de problème de photocopier ces formes. Maintenant, ce qui va être important, c'est la qualité.
c'est la qualité de départ. C'est-à-dire que si vous avez un beau dessin qui est bien fait et que la photocopie le restitue bien, sans tache, etc., eh bien, ça ne posera pas de problème. Maintenant, plus la qualité va être altérée et moins la forme sera efficace. Plus vous avez quelque chose dans des matières nobles et plus elle sera efficace. Donc, si vous avez la possibilité, je ne sais pas moi, d'avoir la fleur de vie qui est sculptée dans une, je sais pas, une plaque de bois, ça va être plus efficace que de l'avoir juste en dessin sur une feuille. Parce qu'on a la noblesse du matériau, on a aussi la fréquence et la vibration même du matériau sur lequel est la feuille, et là c'est le bois, et en fonction de l'essence de l'arbre, ça va avoir des qualités différentes, etc. Ça va venir teinter la vibration que va rayonner la fleur de vie. Il y a plein de choses très intéressantes à l'intérieur de ça. Et la géobiologie utilise énormément toute cette science de la géométrie sacrée en utilisant des remèdes qui sont souvent basés sur les matériaux ou sur les formes. Par exemple, il y a un géobiologue que j'apprécie beaucoup qui fait des remèdes très intéressants au niveau géobiologique. Sa société, ça s'appelle Isoris. Et il travaille avec les solides de Platon, c'est-à-dire les carrés, les merkabas, les pyramides, donc toutes ces formes géométriques, et il s'en sert pour contrer les nuisances des compteurs Linky, par exemple, ou pour venir briser l'influence négative d'un cours d'eau qui passe sous la maison, avec des dodécaèdres, donc des formes géométriques à 12 faces. Et c'est impressionnant. Chez moi, on a acheté cette maison où je me trouve il y a 3 ans. C'est une maison écolo, en bois, paille et terre. Et on a fait intervenir un géobiologue qui a tout de suite repéré qu'on avait un cours d'eau qui passait sur les 2/3 de la largeur de la maison du nord au sud. Et ça, c'est un truc au niveau de l'énergie qui est vraiment pas bon. Et il a fallu neutraliser ça. Donc, on a mis 2 choses en place. On a mis une barre de cuivre à un endroit particulier, donc qui fait toute la largeur de la maison. Et on a mis ce fameux dodécaèdre. Et quand on a posé le dodécaèdre, ça a été instantané, le ressenti, ça a été immédiat dans le corps, que ça avait été tac, coupé, que le fait que le cours d'eau amène l'énergie et l'empêche de se poser, et donc qu'il y ait une espèce de fuite d'énergie, comme si on était toujours en train de dépenser de l'énergie, nous, eh bien ça s'est senti. C'est que d'un seul coup, le corps, il fait pouf, ok, je me pose, je me repose. Et ça, c'était incroyable. Et c'est une des applications de la géométrie sacrée. Et donc, voilà, pardon, j'ai mon téléphone qui est encore allumé, donc je vais couper, voilà, je m'excuse, j'aurais dû le faire avant. Ouais, je vais me mettre carrément sur mode avion. Et donc, la radionique que vous allez pouvoir trouver, dans la littérature de radiesthésie, parce que c'est souvent lié à la radiesthésie étant l'utilisation du pendule hein, pour faire des recherches, mais on peut même faire plus que des recherches avec un pendule, eh bien, il va y avoir 2 modes. Il va y avoir le mode en 2 dimensions et le mode en 3 dimensions. C'est-à-dire que on a ce qu'on appelle des émetteurs radioniques. Ça va être une forme géométrique ou un dessin agissant sur papier. Et on va l'utiliser pour pouvoir faire de la radionique. Et puis après, il y a eu des appareils dits de radionique qui sont, eux, faits avec des montages en 3 dimensions, avec des fils de cuivre entortillés, avec des espèces de boutons, mais qui sont pas comme de l'électricité, c'est-à-dire c'est pas parce qu'on tourne le bouton qu'il se passe un truc différent, mais dans l'idée de la radionique, le bouton, par exemple, eh bien, on va l'orienter sa pointe vers un résultat ou une fréquence précise qu'on a envie. Mais ce sera juste suggéré, puisque l'appareil en lui-même, il a aucune action physique et mécanique. C'est vraiment au niveau subtil que ça se met. Alors la nappe phréatique, est-ce que c'est néfaste? J'en sais rien, Romy. Je ne suis absolument pas géobiologue. Et là, je te conseille de rentrer en contact avec Gilbert et son équipe sur le site Isoris, et ils vont te dire. Et ils te diront si c'est nécessaire d'intervenir ou pas et ce que ça peut avoir comme incidence, parce que ça dépend où est-ce qu'elle est localisée, ça dépend de sa taille et ça dépend de sa profondeur, très certainement. Je dis très certainement parce que c'est le cas pour un cours d'eau. Si tu as un tout petit cours d'eau avec un très faible débit qui est à 1 km sous terre, t'inquiète pas,
tu le sentiras pas. Par contre, si tu as une grosse nappe qui a un gros débit et qui est pas très loin de la surface, alors là, c'est sûr, ça va avoir des incidences. Et j'en étais où dans ce préambule? Bon, enfin, tout ça pour vous dire que la radionique, en fait, ça va être l'utilisation de formes géométriques plus ou moins complexes, c'est-à-dire que c'est pas forcément juste un triangle. Ça peut être un triangle avec des choses à l'intérieur, avec d'autres formes, avec un carré, avec un cercle. Il peut y avoir beaucoup de choses différentes. Alors, le Linky, ça se gère très bien en géobiologie. Pareil, allez voir Isoris. Oui, je vais vous mettre le nom directement dans le chat. Si je retrouve ma souris, hop. Vous leur dites que vous venez de ma part. Et avec un peu de chance, ils vous feront une ristourne. Mais déjà, ils ont des remèdes géobiologiques qui sont, par rapport à tout ce qu'on trouve sur le marché, qui sont très, très accessibles au niveau financier. Et ils sont vraiment très efficaces. Alors, le lien avec ce que je voulais vous dire, le thème de ce soir, c'est-à-dire comment booster, augmenter votre taux vibratoire et utiliser la radionique, la géométrie sacrée, pour aussi booster votre santé, booster votre système immunitaire. Parce que les deux sont liés. Notre système immunitaire dépend directement de notre taux vibratoire. Plus votre taux vibratoire est élevé, et plus votre système immunitaire il devient costaud. Quand tout d'un coup on est dans un coup de mou, eh ben, au niveau vibratoire, ça descend. Par exemple, quelqu'un qui est en dépression, son niveau vibratoire, il s'affaisse, et son système immunitaire, il s'affaisse. C'est exactement la même chose. Donc la façon dont les ondes de forme, la géométrie sacrée, va pouvoir nous aider à soutenir notre santé, eh bien, c'est justement en nous aidant à augmenter notre taux vibratoire. Et pourquoi pas, je dis pourquoi pas, à créer des formes de boucliers énergétiques qui auront pour but de nous soutenir dans le maintien de cette vibration. Vous voyez, je vais pas vous dire qu'en dessinant un carré sur une feuille et puis en faisant un petit truc, ça va tuer le coronavirus dès qu'il va vous voir. Attention. On n'est pas en train de faire des promesses bizarres, mais cette gestion-là va vous aider à gérer votre énergie. Comment, d'après vous, est-ce que vous connaissez un petit peu l'anatomie énergétique de l'humain, enfin de l'humain et du vivant? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Si je vous parle de corps éthérique, de corps astral, de corps mental, de corps causal, corps atmique, corps bouddhique, est-ce que ça vous parle? Ou est-ce que je fais une petite digression par là pour aller peut-être un petit peu plus en profondeur dans les explications de comment est-ce que cette radionique, cette géométrie sacrée, elle va être en capacité de travailler. Alors, Laurence, les chakras. Ouais, les chakras, c'est lié. Un chakra, c'est un centre énergétique, mais en fait, c'est un carrefour d'énergie. C'est-à-dire que le corps, il est parcouru de circuits énergétiques qu'on appelle les nadis. Donc là, on est sur la tradition hindouiste. Je ne parle pas des méridiens, c'est une autre grille de lecture. Et les nadis, quand ils se rencontrent, quand il y en a beaucoup qui se rencontrent au même endroit, ben ça fait un point d'énergie. Et sur la colonne vertébrale, il y en a sept, ce sont les sept chakras. Mais en vérité, il y a plus de chakras que ça, puisqu'on a des chakras qui sont secondaires, c'est-à-dire des points d'énergie, mais pas aussi puissants, pas aussi concentrés que sur la colonne, mais on en a au niveau des étoiles pulmonaires, on en a au coude, on en a aux mains, ce qu'on appelle les laogong en Chine, pour le chi, la captation du chi et restituer le chi, qu'on utilise aussi parfois dans les arts martiaux. Il y en a au niveau de l'aine, des genoux et sous les pieds. Et il y a encore plein d'autres, de petits centres, beaucoup plus petits, un peu partout. Et c'est lié à notre structure énergétique, ces chakras. C'est lié à l'éthérique et au corps supérieur. Alors, non, c'est clair, Tiffany. Ok, il y a les auras. Oui, les auras. Eh bien, l'aura, c'est le corps astral. Ce qu'on voit, quand on dit que quelqu'un voit l'aura, c'est qu'il voit le corps astral. Donc, le corps astral, c'est le corps des émotions. Le corps éthérique, c'est le corps de la santé. Il est très, très fin. Il est pas plus haut que ça. Et il gère tout ce qui est la circulation pour les besoins du corps physique. Et il gère la communication avec les autres corps au-dessus. Ensuite, on a le corps astral, qui lui peut être plus large,
Après, en fonction du magnétisme des gens et de leur niveau vibratoire au niveau de la conscience, de leur ouverture de conscience, il va être plus ou moins grand, ce corps énergétique. Ensuite, on a le corps mental, qui est le corps où il y a les pensées, astral, émotion, mental, les pensées, et causal, c'est là où il y a tout l'engrammage de ce qu'on est venu faire dans cette incarnation-là. Et ça, c'est très intéressant, parce que le corps causal, c'est le corps des causes. Notre vie n'est que l'effet des causes précédentes, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a ramené avant dans cette vie, qu'on est venu travailler, toutes les causes sont incluses dans ce corps-là. Et c'est le corps qui pourrait être associé, je mets des grosses guillemets, à l'âme. Parce que quand on se réincarne en fonction de ce qu'on a vécu. Et donc on revient avec notre corps causal. Et après on forme les autres corps. Coucou la souris. On revient avec les autres corps. Non, c'est un chat. Qu'est-ce que tu as sur tes épaules? C'est un chat? C'est génial. On revient avec notre corps causal parce que dedans, il y a toute notre historique karmique. Et on vient pour régler certains karmas, pour grandir en conscience. Le karma, c'est quoi? C'est tout ce que l'on a fait avant sans une conscience parfaite. Eh bien, on fait un karma. Et là, je ne dis pas c'était mauvais, parce qu'on fait du bon karma, on fait du mauvais karma et on fait du karma neutre. Et on doit régler tout ça, tous, même le bon, pour pouvoir se délivrer de ce qu'en bouddhisme on appelle la roue du samsara, donc le cycle des réincarnations, eh bien, atteindre l'éveil, pour prendre une autre expression, eh bien, c'est de régler tous nos karmas et apprendre à ne plus en faire. À partir de là, on se libère du cycle des réincarnations. On va aller travailler sur un autre plan après. On aura fini la maternelle ici. Et donc, on est en apprentissage là-dedans. Toutes les thérapies, elles travaillent sur un corps en particulier. Le corps physique, le corps éthérique, le corps astral, le corps mental. Et seuls les enseignements authentiques des grandes traditions, celles où on a des maîtres de sagesse, enseigne à travailler sur le corps causal. Et l'un des avantages de l'enseignement de Lou Blanc, c'est que lui, étant un maître de sagesse, il travaille sur ce plan-là. Ce qui fait qu'au lieu d'essayer de résoudre un symptôme au niveau où le symptôme se trouve, par exemple, la personne est en dépression, c'est au niveau du corps causal qu'il y a des choses à travailler, on peut utiliser une thérapie, quelle qu'elle soit, pour travailler le corps astral et faire en sorte que la personne elle retrouve sa joie de vivre. Mais qu'est-ce qui a été la cause première de sa dépression? Si ça, c'est pas réglé sur le plan karmique, sur le corps causal, ça va redescendre et se remanifester dans le corps causal, dans le corps éthérique, dans le corps physique. Plus on laisse d'incompréhension et de temps avant de résoudre, plus ça va se densifier au niveau des vibrations et plus ça va se retrouver sur les plans, je dirais, inférieurs. D'abord, ça vient dans les pensées. Si on ne comprend pas à ce moment-là et qu'on ne le règle pas, ça vient dans l'émotionnel. Si on ne le comprend pas à ce moment-là, ça vient dans l'éthérique. Si on ne le comprend pas à ce moment-là, ça vient dans le physique, dans le corps. Et si on ne comprend toujours pas, ça vient dans le monde autour de nous, dans notre environnement. Et c'est comme ça qu'il y a des gens qui vivent des choses à répétition dans leur vie. Je me souviens de quelqu'un qui me disait, ouais, mais moi, dans mes relations, ça finit toujours de la même manière. Finalement, je rencontre toujours le même type de mec. Et à chaque fois, ça se finit comme ça. Et c'est mathématique, ça, bam, ça tombe pas. Je crois que j'ai trouvé le bon. 3 mois plus tard, bam, rebelote. Qu'est-ce que j'ai à comprendre? Eh ben oui, il y a une leçon de vie, là. Et c'est pas pour nous embêter qu'on vit ces choses-là. C'est pour nous faire grandir en conscience, parce qu'on est à la grande école de l'ouverture de la conscience. Et tout ce qu'on vit, c'est juste nos leçons. Est-ce qu'on les apprend? Et quand on travaille avec des outils, et là je ne parle pas forcément que de la radionique sacrée intuitive, ça peut être de la méditation, ça peut être des pratiques chamaniques, ça peut être des pratiques taoïstes, hindouistes, même dans le vaudou, il y a certaines parties du vaudou qui sont très très lumineuses. Tous les enseignements, j'ai un grand respect pour toutes les traditions, eh bien, elles nous apprennent à venir dissoudre la cause première, afin que plutôt que d'essayer de régler par le bas et de monter, on règle en haut
et on laisse la chaîne de cause à effet se dissoudre d'elle-même. Alors, comment est-ce qu'on peut utiliser la radionique pour travailler justement à cette augmentation de conscience? Eh bien, c'est en apprenant à utiliser la géométrie sacrée pour véhiculer nos demandes. Parce que la façon dont travaille la radionique est la suivante. On met sur ce qu'on appelle une planche de radionique. Je vais vous en montrer une, regardez. C'est un décagone. Ça, c'est la planche de base de la radionique. Vous mettez dessus votre demande. Ensuite, vous mettez autre chose dessus. Je ne vais pas vous expliquer ce soir, ce sera un petit peu long. Il y aurait beaucoup de choses dans le détail à rentrer. Et ce qui va se passer, c'est que votre demande va se charger en vibration. Et grâce à la forme géométrique, ça va lui permettre de lui donner plus de puissance pour être envoyé dans l'univers. Et du coup, l'univers, il réagit à votre demande. Qui a déjà entendu parler de la pensée positive ? J'imagine que c'est quelque chose que tout le monde connaît aujourd'hui. Si vous voulez quelque chose, il faut y penser régulièrement et de façon positive. Vous projetez dedans. Eh ben, ce que fait la radionique, c'est que le montage de radionique prend le relais pour vous, pour y penser 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans aucune déviation de la concentration. Et c'est la planche de radionique qui va générer en permanence comme un émetteur, tout le temps, votre demande positive dans l'univers. Avec en plus un boost grâce à la spécificité de la géométrie sacrée qui est utilisée pour le faire. Et chaque demande, et je dis bien chaque demande, je ne dis pas juste chaque thématique, c'est chaque demande, vous changez un mot dans la demande, vous changez le jour où vous faites la demande, vous allez avoir besoin d'un émetteur radionique différent pour être le plus efficace possible. Et on peut aller dans ce degré-là de pratique. Est-ce que ça vous parle? Nat, oui, ça me parle. Nathalie, oui, donc là, je parlais de quoi juste avant pour vous poser la question? Oui, est-ce que c'est clair? D'accord. Est-ce que vous avez des questions, so far? Est-ce que ça vous paraît intéressant? Est-ce que vous avez envie qu'on aille plus loin? Est-ce que vous avez des questions? Qu'est-ce que t'en penses, Muriel? Est-ce que toi, tu arriverais à nous parler? Est-ce que j'aime bien aussi sentir un petit peu comment la personne qui est avec moi dans la conf vit tout ça. Allez, prends le micro, viens me parler. Ah, j'adore les challenger, les présentateurs. Alors, ça te parle beaucoup, Sandra. C'est très intéressant. Oui, super intéressant. Je suis là. Yes. Je suis captivée par tout ce que tu nous racontes. Vas-y, on t'écoute. Et j'ai hâte d'en savoir plus. D'accord, sur un sujet particulier. Est-ce que la demande doit être écrite à l'intérieur de la forme, Carole? Pourquoi la décagone? Non, t'as pas un truc particulier Ça semble magique, Laurence. Non? Alors, Muriel, parle-moi, dis-moi quelque chose. Non? Juste se laisser porter? Moi, j'ai... Bah, tu vois, en ce moment, j'ai commencé à travailler sur mon nouveau lieu de vie. Je cherche un nouveau lieu de vie. Génial. Alors, je peux te partager une expérience par rapport à ça, si tu veux. Ça t'intéresse? Ouais. Allez. Alors, du coup, mais si... Oui. Ah, c'est vrai que tu as le décalage. Mais oui, bien sûr. Mais pardon. Je croyais que tu étais avec moi en direct. Il faut que je pense à ce décalage. Puisqu'on a le problème de son. Hein, je restitue pour nos auditeurs. On a ce petit problème de son. On ne sait pas pourquoi. Muriel n'arrivait pas à m'entendre.
Pourtant, je sais que le micro marche. Et donc, elle a dû ouvrir la salle de conférence en mode participant. Donc, comme vous, comme Véronique, comme Laurence, comme Chantal, comme Laetitia, comme Sandra, comme Tiffaine, Odile. Merci en tout cas de jouer le jeu, d'avoir de l'interactivité, Marie-Christine. Et je vous re-souhaite la bonne soirée. Merci d'être là. Vraiment super. Vous êtes 111 ce soir-là, en ce moment. C'est génial. Et du coup, il y a un petit décalage, parce que c'est ça la technique, vous voyez, Internet, je parle, ça fait 3 fois le tour de la Terre en passant par la Chine, l'Ukraine et tout ça, et ça arrive chez vous. Et donc, le temps que vous entendiez ce que j'ai dit, en fait, je l'ai déjà dit. Vous entendez un message du passé. C'est génial quand même. Vous imaginez, vous êtes en train d'entendre un truc qui s'est déjà produit, il y a longtemps. Moi, je suis déjà passé à autre chose. Non, mais quand on y pense, c'est assez captivant, je trouve. Et donc, j'avais oublié ce truc-là. Donc, désolé de te sortir de ta zone de confort déjà, et puis de pas avoir pris en compte ce petit décalage. Donc, je vais répondre aux questions que j'ai vues passer. Pourquoi le décagone? Est-ce qu'on doit écrire à l'intérieur de la forme? Je ne sais pas comment exprimer mon ressenti, Marie-Christine. Ok. Un problème de santé physique peut-être guéri par la radionique. Ok. Alors continuez à mettre vos questions dans le chat, je vais laisser Muriel y jeter un œil pour me les retransmettre après, parce que s'il y en a trop, il faut que je descende, ça va me couper. Et je vais vous partager une demande un jour que j'ai faite. Alors, j'étais au chômage et j'avais intégré un appartement dans le Gard. Dans un petit village, un ancien village de miniers qui s'appelle Bessèges. Un truc paumé, en creux de vallée, pas beaucoup de soleil, glauque, des vieux bâtiments qui tombent en ruine de partout. Vraiment une énergie de comment je pourrais dire? Qui manque d'entrain, qui manque d'ouverture, de pétillant, de soif de vie, d'entrepreneuriat. Donc j'étais là-dedans. Et je galérais, je galérais. J'essayais de lancer mon activité. J'étais ingénieur du son à l'époque, spécialisé en mastering audio. Et j'avais monté mon studio à la maison et je lançais mon activité. J'avais un mal de chien à trouver des clients. Et je me suis dit, je faisais beaucoup d'allers-retours. Toutes les semaines, j'allais voir des amis à 1 heure de route. Donc, je faisais 2 heures de route toutes les semaines, juste pour ça. Et le soir, je me suis posé et je me suis dit, ça va pas. Faut que j'aille ailleurs. Je vais crever ici. C'est pas du tout pour moi, je suis enfermé. Si je fais pas cet effort constant d'aller voir mes amis, je suis replié sur moi-même et c'est pas bon. Et du coup, j'ai fait le calcul, je me suis dit, ok, là je paye 400 euros de loyer pour un appart, c'était un F1. De quoi est-ce que j'ai envie? Et j'ai réfléchi à mon lieu de vie. Je me suis dit, ok, lâche-toi. Je veux une maison de plein pied. Avec 3 chambres, parce que je voulais faire ma chambre, mon bureau et ma salle de méditation. Je veux avoir un jardin. Je veux pas de vis-à-vis. Je veux des arbres fruitiers et je veux être proche de mes amis. Est-ce qu'il y a autre chose? Non, ça va. Et j'ai fait une onde de forme, donc un travail de radionique sur cette demande précise. Mais mot pour mot, je veux au moins 100 mètres carrés avec 3 chambres, avec tatati tatiti tatata. Et je l'ai mise en place. 2 semaines plus tard, je vais visiter 2 locations dans un secteur qui me convenait. Non, trois locations. Les trucs, c'était pas des maisons, c'était des appartements, enfin des trucs dans le genre, qui étaient quand même dans un secteur, c'était toujours dans le Gard, c'était vers Le Vigan, Avez, par là. Donc c'était dans la nature, dans les Cévennes. Donc ça, c'est déjà c'est le truc moi pour moi les villes c'est pas pour moi et je vais visiter c'était des trucs glauques des trucs insalubres c'était ça allait pas du tout quoi. Et j'avais préparé une affichette pour pouvoir poser dans cherche maison 100 mètres carrés enfin voilà j'avais fait mon affichette quoi appelez-moi avec un budget j'avais calculé j'ai dit moi je suis prêt à mettre 200 euros de plus dans mon loyer pour avoir la maison donc j'avais dit budget maximum 600 euros. Et j'ai cherché dans le coin des supermarchés ou des endroits où je pouvais mettre l'annonce. Et j'ai pu la mettre à 2 endroits seulement. Et je suis rentré chez moi. Alors, entre-temps, j'étais passé voir Lou Blanc. Il m'a dit, ah, alors, t'as trouvé quelque chose? Il m'a fait, non. Ok, bah,
Si je joue du tambour un de ces soirs, je penserai à toi. Et j'avais fait cette demande en radionique. Le lendemain matin, j'avais un appel de quelqu'un qui me dit: Ah, je viens de voir votre annonce, j'ai une maison, ça pourrait correspondre à ce que vous cherchez. Quand est-ce que vous voulez venir la voir? J'ai dit, bah, quand est-ce que je peux visiter? Fait demain, si vous voulez. Je fais, et il y a beaucoup de gens sur l'annonce? Ah ben non, on vient juste de décider de mettre la maison à la location et on a vu votre annonce, on vous appelle. Si vous venez demain matin à 9h, vous êtes le premier. Je suis allé voir la maison. J'avais 110 mètres carrés. J'avais trois chambres. J'avais un terrain arboré avec des arbres fruitiers, sans vis-à-vis. J'avais tout ce que j'avais demandé. Et la personne, j'ai dit, alors combien de loyers? Elle m'a dit 600. Ah ouais? Et vous avez besoin que je vous fournisse des fiches de paye? Et là, bon, dans ma tête, c'était cette question-là, je suis obligé de la poser parce que il faut des fiches de paye, il faut des cautions et tout. Et moi, j'avais pas de fiches de paye. J'étais au chômage. Elle m'a dit, écoutez, on vient de vous rencontrer. Non, vous nous avez l'air quelqu'un de bien, il n'y a besoin d'aucune fiche de paye, c'est entre nous. Je prends. Et voilà. Comment le travail en radionique permet d'aller nous appuyer sur des choses. Après, il y a quelque chose aussi qui est à prendre en considération, dont je ne vous ai pas parlé, et je réponds à vos questions juste après, c'est que quand on commence à travailler avec un enseignement authentique, et encore une fois, je ne cherche pas à vous faire la promo de l'enseignement de Loublanc, il y en a d'autres, il y a d'autres maîtres de sagesse, il y a d'autres grands enseignements sur cette planète. Et j'ai infiniment de respect pour chacun d'entre eux. Et il n'y a pas de compétition, vraiment pas. Quand on commence à faire un travail à ce niveau-là, on peut tout demander, mais on ne peut pas tout obtenir. Parce que ce n'est pas des outils de pouvoir qu'on met entre vos mains. On n'est pas en train de tordre la destinée pour que vous ayez ce que vous avez envie. Mais ce qui va se passer, c'est que vous allez obtenir ce dont vous avez besoin pour continuer à avancer sur votre chemin d'évolution. Si votre demande est juste, vous allez obtenir. Si elle ne l'est pas, vous allez avoir les prises de conscience nécessaires pour que vous grandissiez, pour que vous vous dites, ah, mais en fait, je voulais ça, mais maintenant que j'ai fait trois, quatre pas, c'est plus la colline que je veux aller voir, c'est la montagne qui est là-bas. Et vous allez avancer. Et on va vous amener tout ce dont vous avez besoin pour pouvoir atteindre votre objectif, si c'est marqué dans votre incarnation que vous pouvez l'avoir, et on vous permettra de vous transformer pour devenir la personne qui peut recevoir ce que vous demandez. Et ça, c'est génial, parce que jamais vous allez piquer quelque chose au voisin pour arriver à vos fins. Parce que quand on est sur un enseignement initiatique, eh bien, on respecte le karma de chacun. On respecte chaque être vivant. Et la façon dont va s'accomplir votre demande sera toujours dans le respect de tout ce qui vous entoure, en respectant les lois divines. Et ça, c'est génial. Et ça, c'est la grosse différence entre la radionique sacrée intuitive, qui est l'enseignement de Loublanc, et la radionique que vous pouvez trouver dans une librairie spécialisée comme la librairie Servranckx, qui est la librairie de référence au niveau européen pour tout ce qui est radiesthésie et radionique. Parce qu'il y a cette dimension spirituelle derrière. Alors, je vais reprendre les deux, trois questions que j'ai vues, peut-être même quatre ou cinq maintenant. Donc déjà, pourquoi le décagone? Le décagone, c'est une forme, je vous ai dit, c'est un peu l'instrument de base de la radionique, parce qu'il a une propriété très particulière, qui est l'amplification. Et donc, en radionique, on a besoin d'un amplificateur avant de faire tout travail. On va amplifier. Parce que la planche de travail, c'est l'enveloppe. L'adresse sur votre enveloppe, c'est ce qu'on appelle le témoin. C'est ce qui va identifier la cible de l'action. Par exemple, nous-mêmes. C'est moi le témoin. Je vais mettre ma photo. C'est mon témoin. Donc, on sait que l'action, elle est pour moi. Et l'enveloppe, l'adresse, qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque ben, la demande. C'est la lettre. Donc, ce que fait la radionique,
c'est que on prend votre demande, on la met dans l'enveloppe et on l'envoie au cosmos en disant le retour à l'envoyeur, c'est cette personne. Et donc, le décagone, il va nous servir pour s'assurer que le témoin est de qualité optimale. Pourquoi ? Parce que c'est beaucoup plus facile de trouver quelqu'un si vous avez sa localisation GPS que si vous avez juste son prénom et vaguement le pays où il habite. Donc, on a besoin d'un témoin qui soit de qualité et qui soit capable d'acheminer l'énergie que vous demandez en retour. Et le décagone permet de faire ça. Il permet de faire plein d'autres choses. D'ailleurs, puisque à la fin de cette conférence, on va vous proposer, pour ceux qui ont envie de suivre un cycle de 3 ateliers, eh bien, c'est l'un des premiers travaux qu'on va faire ensemble, c'est d'apprendre à utiliser ce décagone. Et il y a déjà plein de choses qu'on peut faire avec, qui sont assez géniales. Donc voilà pour le décagone. Après, est-ce qu'on doit écrire à l'intérieur de la forme? Alors, je suis pas sûr de... Enfin, la question peut avoir plusieurs sens, donc je vais te dire qu'on a besoin d'écrire sur un papier la demande que l'on doit faire. Et ça, pareil, sur la radionique, c'est important d'avoir une demande qui soit bien précisée. Mais sachez que, dans certains cas, on n'a même pas besoin de demande. Pourquoi ? Parce qu'il y a certains émetteurs de radionique qui sont orientés pour la santé, pour trouver un travail, pour, développer vos facultés intellectuelles ou votre intuition, ou connecter avec les mondes supérieurs, ou avoir des rêves initiatiques, etc., etc. Et donc, à ce moment-là, vous pouvez les utiliser directement sans formule parce que l'émetteur radionique, déjà, il induit un résultat, une demande, d'une certaine manière. Et donc là, on n'aura pas forcément besoin de demande. Voilà, je pense que j'ai répondu à ta question. Carole, tu n'hésites pas à me dire si ça manque de précision ou pas, tu me le dis. Pareil, Odile et Laetitia qui posaient la question pour le décagone, n'hésitez pas à me relancer sur le chat si jamais vous avez envie, besoin que je creuse davantage. Alors, Lola, tu nous dis que la fleur de vie sur une bouteille d'eau modifie les particules. Point d'interrogation. Donc c'est une question. Et la réponse, c'est oui. Parce que la fleur de vie, elle irradie quelque chose. Et c'est une forme. Elle irradie une vibration qui lui est propre, une onde de forme. C'est l'onde de forme de la fleur de vie. Et donc forcément, tu amènes une information à l'eau. Et l'eau est très très réceptive aux informations. Et l'eau, on en a besoin. C'est le deuxième élément le plus important dont on a besoin pour vivre. Et on est constitué à 80% d'eau. Et quand on amène de l'eau en nous, l'information qui est dans l'eau que l'on boit, elle se transmet à tout l'eau de notre corps. Si tu informes ton eau avec la fleur de vie, parce que tu l'as dans un verre, un dessous de plat, au cul d'une bouteille. Il y a d'ailleurs un fabricant, je crois que c'est Design et Nature, Design and Nature, avec un i commercial. C'est les fabricants, mais ils ont des points de vente un petit peu partout. Ce n'est pas eux qui vendent directement. Eh bien, ils proposent des bouteilles dans des coques en liège pour les protéger des énergies autour. Elles ont une forme un peu particulière qui respecte le nombre d'or. Et sur le culot de la bouteille, il y a une fleur de vie à l'or fin. Et ça permet de charger l'eau qui est dans votre bouteille et de boire après. Et l'eau, elle a des propriétés vraiment très intéressantes. Et c'est quelque chose, d'ailleurs, voilà, c'est assez intéressant. Cette histoire de l'eau et de la charge de l'eau, comment est-ce qu'on amène de l'information à l'eau, c'est quelque chose qu'on va aborder dans le premier des 3 ateliers qu'on va vous proposer. On va se focaliser là-dessus. Et c'est génial. C'est un outil, on pourrait parler 5 heures dessus tellement c'est puissant et tellement les applications sont énormes. Juste ça, juste cet outil-là, mais il y a de quoi changer sa vie et de s'amuser pendant des années. C'est juste génial. Alors, j'ai vu qu'il y avait une autre question. Voilà.
Muriel, je suis un mix. Est-ce qu'un problème de santé physique peut être guéri par la radionique? Alors, je vais te dire non. Je vais te dire non, pourquoi? Parce que j'ai pas envie qu'on me dise « Ah, exercice illégal de la médecine !» Et pourquoi on me dirait ça? Parce que si je dis que la radionique, c'est-à-dire qu'un décagone, va te guérir du cancer, je suis un charlatan. Et ce serait vrai. Donc, c'est pas comme ça qu'il faut le voir. C'est que la radionique, souvenez-vous ce que je vous ai dit juste avant, vous allez voir, c'est très fun. La radionique, on envoie un message à l'univers, on lui dit « Hey, Coco, je veux ça, je veux guérir. » On lui dit ça, c'est ta demande. Et l'univers va commencer à conspirer, je souligne, conspirer littéralement pour faire en sorte que vous obteniez le résultat que vous vouliez. Donc, il ne va pas enfreindre ses propres règles. Il va utiliser tout ce qu'il a en sa disposition en utilisant les règles, les lois divines, pour vous amener là, si c'est possible, ou vous amener ailleurs, mais qui soit dans le sens de votre demande par rapport à votre conscience du moment. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça ne va pas faire plus de maladies. Ça va peut-être vous faire rencontrer un guérisseur qui est spécialisé là-dedans, ou un médecin qui a une thérapie alternative qui a de très très bons résultats, ou bien vous allez tout simplement avoir un relent de force, vous allez mieux vous régénérer la nuit, vous allez peut-être tomber sur un article sur le feng shui et vous allez vous rendre compte que votre lit n'est pas dans une position de maîtrise dans votre chambre. Et en changeant la position de votre lit, vous allez commencer à mieux dormir et vous allez redonner de la force à votre corps et vous allez être capable de guérir. Mais la radionique ne va pas juste dire « Ok, la maladie, elle n'est plus là ». Elle va trouver l'univers va trouver un chemin pour que vous puissiez régler votre problème vous-même. Si ça ne vient pas de vous, ce n'est pas votre victoire. Donc, ça ne sert à rien au niveau de l'évolution. Et c'est pour ça que dans un enseignement sacré, quelle que soit, encore une fois, la tradition, le maître n'est pas là pour vous apprendre de la théorie. Il est là pour vous faire expérimenter les choses, pour que vous trouviez votre vérité. Parce que c'est ça qui vous affranchit. Quand le Christ dit « la vérité vous affranchira », c'est pas « la connaissance vous affranchira ». C'est la vérité. Et la vérité, c'est quoi? C'est la compréhension de votre expérience. C'est votre expérience qui est la plus importante. Et donc, ce que va faire la radionique, elle va vous densifier votre champ expérimental en orientant pour que vous puissiez enfin comprendre pourquoi vous n'avez pas ce que vous voulez. Parce qu'il y a une raison à ça. Si aujourd'hui, vous galérez dans la matière, vous êtes thérapeute, vous n'arrivez pas à avoir de clients, c'est de la faute à personne sinon de vous. Vous êtes 100% responsable. C'est votre vibration qui ne permet pas d'attirer l'abondance professionnellement. Vous êtes responsable de votre taux vibratoire. L'une des lois de l'univers, c'est la loi de résonance. Vous attirez ce que vous vibrez. C'est la loi de résonance. Vous attirez que des pervers narcissiques dans vos relations de travail, vous l'attirez. Bien sûr, le pervers narcissique, il a ses trucs à comprendre, il a son comportement, il a sa responsabilité par rapport à ce qu'il est et ce qu'il fait, mais vous êtes responsable de la rencontre autant que lui. Et vous ne pouvez pas demander au monde, à votre environnement et aux autres de changer. Par contre, vous, vous avez le pouvoir de vous changer vous-même. Capitalisez là-dessus, travaillez sur vous. Sachez que quand vous faites une demande, le prix à payer, c'est la mort de qui vous êtes aujourd'hui. Et ça, c'est purement chamanique. C'est apprenez à mourir à vous-même. Et tous les enseignements authentiques, encore une fois, vous amènent à ça. Vous devez mourir à vous-même à chaque instant pour vous renouveler plus grand en conscience, plus grand en lumière, plus grand en ouverture de cœur. C'est les mêmes mots pour dire la même chose. Donc, ça peut t'amener à une guérison, oui. Mais quel chemin ça va prendre? C'est un grand mystère, très très grand mystère. Et peut-être que ta maladie, tu vas devoir la garder toute ta vie.
parce que c'est peut-être ça, parce que c'est peut-être très important. La maladie, le mal a dit, mais il a dit quoi? Il dit quoi le mal? Qu'est-ce qu'il te dit à toi? Il y a des gens, ils sont malades. Je vais prendre un exemple un peu trash. Prenez une personne qui naît avec un handicap, un autiste. Est-ce que vous croyez qu'il va pouvoir guérir de l'autisme? Mais qu'est-ce qu'il est venu travailler dans cette vie avec cette maladie, cette infirmité, ce handicap? Il est venu travailler quelque chose. Il est venu épurer une cause. Il est venu épurer un karma. Il est venu payer la dette qu'il a créée avant pour pouvoir grandir en conscience davantage. Et il y a des gens qui meurent de maladie. Ma mère est morte d'un cancer foudroyant en quelques mois. Mais ça a été son chemin. Son chemin, ça n'a pas été de guérir. Ça a été son dernier nettoyage karmique avant de passer à autre chose, avant de passer à une autre vie. Parce qu'au bout d'un moment, il faut faire un reset et il faut recontinuer sur de nouvelles bases. Parce que si on était immortel, des fois, on se sclérose tellement dans nos comportements d'ego qu'on ne peut plus avancer du tout. Et la seule chose qui peut nous en libérer, c'est la mort. Parce que quand on meurt, on dissout l'ego et on revient, on reforme un ego. C'est le grand reset de l'ego. Ah, c'est un terme à la mode, ça, le grand reset. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu, Mireille, à ta question. Alors, Sandrine, anthroposophie indique des dessins de formes utilisés par les écoles Steiner. Exactement. Tu vois, j'ai trois enfants. J'en ai un qui est à moi. Enfin, il est à moi. Il est à moi. Non, c'est le fruit de mon union avec Sarah, l'astrologue. Et elle a deux autres enfants qui sont plus âgés. Et tous les trois, on les a mis dans une école Steiner. Pourquoi? Parce que c'est une école alternative. Donc, on n'est pas dans un camp d'endoctrinement de l'éducation nationale qui vous apprend à devenir des salariés et des gens qui n'ont aucune perspective dans la vie et très peu de compétences, malheureusement. Mais on voulait une école alternative pour qu'ils puissent s'épanouir et qu'on respecte le rythme de l'enfant, de l'apprentissage. Et chez Steiner, contrairement à Montessori, contrairement à Freinet et d'autres techniques d'apprentissage autres, eh bien, Steiner, il a cette dimension spirituelle. C'était un maître. Et donc, dans tout l'enseignement de l'école, même si ce n'est pas dit, eh bien, il y a énormément de contacts avec les structures de base de l'univers. Les formes géométriques, c'est l'une des manifestations des différents niveaux de fréquence. Et tout l'univers, les couleurs, vous savez, les couleurs, c'est le spectre lumineux. C'est une vibration. Plus la vibration s'élève, et plus la couleur change. Et avant d'être une couleur, on est dans les domaines de l'ultraviolet, des rayons gamma, des choses qu'on ne voit pas à l'œil nu. Et puis après, on passe dans les couleurs. Et puis quand on augmente, on perd à nouveau le spectre visible. On devient dans l'infrarouge, etc. Mais c'est simplement toute cette diversité, c'est juste un niveau vibratoire différent. C'est la fréquence qui augmente ou qui baisse. C'est du bleu, c'est une fréquence plus élevée que le rouge, mais qui est plus basse que le violet. C'est juste un niveau vibratoire. Et c'est comme nous. Nous, c'est notre niveau vibratoire. En fonction de notre niveau vibratoire, eh bien, on vit dans un monde différent des autres. C'est fou, hein? On croit qu'il y a un monde, mais en fait, il y a autant de monde qu'il y a d'individus. Et ça, alors, qu'est-ce qui vous empêche d'avoir la vie que vous voulez? Sinon, vous-même. Rien. Rien du tout. Et j'adore l'enseignement Steiner. Il passe par... Ça, je ne sais pas si vous connaissez, mais si vous avez des enfants et que vous pouvez leur offrir ça, c'est génial. Vous voyez, les grands, ils sont l'équivalent du CM2. Et en CM2, ils commencent seulement à apprendre la grammaire. C'est fou, hein. Ils apprennent, là, en ce moment, à conjuguer des verbes et tout ça, les compléments d'objets directs et tout ça. Mais la moitié du temps, c'est-à-dire le matin, est consacré vraiment à l'étude intellectuelle. Mais d'une façon très particulière, parce que ça passe tout par l'expérimentation, par le jeu, par le concret. Et l'après-midi, ils font que des travaux pratiques. Ils font de la flûte, ils font du tricot, ils font de la danse, enfin le rythmie. Ils font que des choses manuelles.
et dans la créativité. Et tout ce qui est cultivé là-bas, c'est le beau, c'est les objets sont en bois, ils travaillent avec des pavés en cire et pas des crayons artificiels, de couleurs artificielles, ils font de l'aquarelle. C'est génial, c'est super. Et les enfants, ils adorent. Ils adorent. Alors, donc j'ai répondu à celle-là. Pof. Sandrine, à nouveau. J'ai tout de suite remarqué des formes sur le tissu tendu derrière et j'ai bien aimé. Et j'ai aussi pu, je peux sentir des formes intéressantes. Ouais. Et en fait, vous savez, les pensées, ce sont des formes. Au niveau du corps mental, là où se baladent les pensées, ce sont des formes. Ce sont des formes géométriques. Sous une vibration particulière. La vibration entraîne la forme. Et donc, une pensée de colère, c'est très différent que d'une pensée d'amour. Ça n'a pas la même forme. C'est très amusant. Enfin, il faut pouvoir le voir, mais c'est que des formes. Que des formes. Vous voyez, on dit souvent « Ah, savoir lire dans les pensées ». Il n'y a rien de plus absurde. On ne peut pas lire les pensées. On les partage. C'est pas pareil. Pourquoi ? Parce que si le corps astral, il est là, le corps mental, il est là, dès qu'on est l'un à côté de l'autre, on partage nos corps mentaux. Ils se croisent, ils s'interpénètrent. Donc on n'est pas en train de lire dans la tête de la personne. On est en train de partager nos informations au niveau du corps mental. C'est un partage. On le ressent. Et ouais, je ne vais pas faire une digression là-dessus, il y aurait plein de choses à raconter, mais c'est marrant. Donc là, je suis en train de vous parler de certaines choses. Je l'aimais sous forme de pensée. Et comme on est branchés en ce moment ensemble, vous les recevez aussi, ces pensées-là. Parce qu'il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de temps, vraiment. Surtout que vous les recevez, ça se trouve en décalé. Parce que je les ai dit juste avant. Mais peut-être que vous avez reçu les pensées avant que je les dise. Enfin, plutôt avant que vous les entendiez. C'est marrant. Il y a plein de choses marrantes là-dedans. Alors, toute ma recherche. Bon, c'est sympa, mais moi, j'aimerais des infos sur la radionique. Ah, Marie, ok. Oui, désolé, je fais quelques discrétions. Digressions. Peut-on mettre au cœur du décagone. Alors, tu peux, Hélène, en fait, la façon d'utiliser la radionique, chaque planche, chaque émetteur que vous allez pouvoir rencontrer va avoir un protocole particulier dans son utilisation. Et c'est pour ça que la radionique ne s'improvise pas. Donc, on reçoit un émetteur radionique. Donc là, je vous ai montré le décagone, par exemple. Mais ça, c'est un émetteur ultra basique. Hein. C'est juste une forme géométrique simple. Il y a des choses qui peuvent être beaucoup plus complexes. Et ensuite, vous allez suivre le protocole qui est induit avec cet émetteur. Donc, pour son utilisation au quotidien, eh bien, et pouvoir avancer dans cette discipline, l'idée, c'est de recevoir. Je vais vous donner un exemple. Comme ça, vous pourrez faire l'expérience chez vous. Le décagone. Le décagone, il vous permet d'amplifier les choses. L'eau, elle a cette capacité c'est une messagère. L'eau, elle a cette capacité de prendre une information et de pouvoir la restituer. Vous avez certainement entendu parler de la mémoire de l'eau. Peut-être, en creusant un peu, vous avez découvert les travaux du professeur Emoto, qui s'est amusé à prendre des bocaux, à mettre de l'eau dans les bocaux, et sur le bocal, il collait une étiquette avec un mot. Amour, joie, haine. Là, il a fait des bocaux comme ça. Et puis, il a pris le bocal, il l'a mis au congélateur. Et il a photographié la cristallisation de l'eau. Et ça fait avec un microscope. C'est important de préciser.
Et ce que ça a permis de mettre en évidence, c'est que malgré que l'eau soit la même, eh bien, en fonction du mot à laquelle l'eau a été exposée, la cristallisation prend des formes différentes. Et étonnamment, les formes les plus belles et les plus harmonieuses sont les mots qui ont une connotation positive. Et ceux qui sont le plus chaotiques et déstructurés, c'est ceux qui ont des orientations plutôt négatives. Et puis, il a poussé le truc un peu plus loin. Tiens, si j'exposais l'eau à la musique, quel type de musique, ça engendre quoi? Et les choses harmonieuses, ben, c'est plutôt des grandes musiques, style la musique classique, ou des musiques... alors, je ne sais pas s'il a fait des tests avec les shakuhachi, puisqu'il vient du Japon. J'allais dire les musiques amérindiennes, mais là-bas, ce sera plutôt les musiques shintoïstes et les choses comme ça. Et à côté, à du métal. Et pareil, très intéressant les résultats. Et il s'est dit, mais si je les soumets à une pensée, qu'est-ce qui se passe? Et donc, on a vu que l'eau avait une mémoire de ce qu'on lui donnait. Et donc, avec la radionique, faisons le lien. Si vous prenez un verre d'eau et que vous mettez un mot avec, par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme exemple? Guérison. Voilà, je reprends la question de tout à l'heure. Vous mettez le mot guérison avec, vous prenez un papier, vous notez guérison, vous le mettez avec le verre et vous le mettez au centre du décagone. L'expérience des motos montre que si vous mettez un mot avec de l'eau pendant un certain temps, alors je ne sais plus quels étaient ces protocoles d'essai, si c'était 24 heures ou si c'était quelques heures, eh bien, l'eau se charge de la vibration de ce mot et de ce qu'il représente. Donc, il donne l'information guérison à l'eau. Et après, quand vous allez boire l'eau, vous allez informer votre corps de la vibration de la guérison. Donc, vous allez l'inviter à générer une réponse physique pour atteindre un niveau vibratoire de guérison. Et ce que fait le décagone, vous faites la même chose, vous mettez dans le décagone, c'est que le décagone, il va amplifier la charge d'information dans le verre. Donc, au lieu d'avoir une charge de 1, vous allez avoir une charge de 10. Et ça va être beaucoup plus rapide. En 20 minutes, vous chargez un verre comme ça, de façon optimale, avec la caractéristique d'un mot. Et vous pouvez vous faire une cure, matin, midi et soir, un verre, avec le même mot chargé dans votre décagone. Et là, vous avez un outil qui est extrêmement puissant. Et on peut aller très très loin, juste avec ça. Est-ce que ça répond à ta curiosité, ton besoin de parler un peu de radionique? Parce qu'en fait, tout est lié. La radionique, c'est l'outil. Mais c'est important de comprendre les enjeux qu'il y a derrière afin de s'approprier l'outil. Et l'outil est secondaire. Mais il nous permet de faire des choses. C'est important d'avoir un outil pour pouvoir l'appliquer, mais c'est important de comprendre le contexte dans lequel il s'applique. C'est pour ça que je vous parle aussi de toute cette dimension qui est derrière. Parce qu'encore une fois, ce qui est important à comprendre, c'est que la pratique de la radionique sacrée intuitive, donc cette approche de la radionique, elle est liée à une pratique d'évolution, d'ouverture de conscience. C'est une pratique profondément spirituelle qui est derrière. Et donc, c'est important de bien comprendre ce contexte. Parce que, et il y a quelqu'un qui disait, voilà, la demande doit être équitable. Pourquoi elle devrait être équitable? Je ne comprends pas cette notion. En quoi une demande pourrait ne pas être équitable? À part quelqu'un qui a une demande malveillante, je vais prendre un exemple. Je veux la femme du voisin. Mais encore, peut-être que cette demande, elle est recevable pour l'univers. Peut-être que, effectivement, c'est intéressant que moi, je me mette en couple avec la femme du voisin. Parce que, eh ben, ce sera mieux pour tout le monde. Pour le voisin, pour la voisine et pour moi. Donc, même si la demande, elle est pas équitable, même si la demande, elle est bizarre, même si la demande, elle est pas forcément bien énoncée, l'univers, lui, il va vous amener ce que vous pouvez obtenir. Et surtout des prises de conscience par rapport à votre demande. C'est-à-dire, ah ouais, mais non. Et puis peut-être qu'en faisant une demande pour avoir la femme du voisin, je vais rencontrer une autre femme qui, elle, est libre et qui est beaucoup plus adaptée pour moi
pour vivre quelque chose avec elle. Pour reprendre cet exemple-là. Donc, c'est, faut pas avoir peur de cette équité. Je pense que si on fait pas les choses avec animosité, tu vois, pour moi, si vous utilisez la radionique pour nuire à quelqu'un, vous allez avoir un sérieux problème. Parce que il y a des lois dans l'univers. Et ce qu'on appelle le choc en retour, en ésotérisme, il existe vraiment. Parce que vous vous faites du karma. Vous avez une responsabilité. Et on peut pas faire n'importe quoi. D'ailleurs, dans l'enseignement de la radionique sacrée intuitive, on apprend à travailler sur autrui dans un deuxième temps. C'est-à-dire que ça se déroule en deux temps. Quand on veut vraiment apprendre l'intégralité de cette discipline, ça se passe en deux week-ends. Et pendant le premier week-end, vous apprenez à travailler sur vous et vous uniquement. Travaillez sur vous, devenez plus lumineux. Parce que vous ne pouvez pas prétendre aider les autres si vous n'êtes pas en capacité de vous aider vous-même. Vous ne pouvez pas prétendre guérir les autres si vous n'êtes pas capable de vous guérir vous-même. Donc d'abord, vous travaillez sur vous. Vous vous améliorez, vous devenez meilleur. Et ensuite, vous pouvez aider les autres. À la mesure de là où vous êtes arrivé. Ne vous prenez pas pour je ne sais quoi. C'est très très important. Vraiment très important. Et à partir du moment où vous ne cherchez pas à faire le mal, je vais le dire comme ça, même si j'aime pas trop la formulation, mal, bien, c'est d'une certaine manière, c'est très personnel comme approche. C'est-à-dire que chacun va avoir la sienne. Eh bien, tout va bien se passer. Parce que on est des enfants. On est en apprentissage. Et donc, on va forcément nous apprendre pour agrandir. Dire, ah, je fais ça. Et imaginez, si vous avez des enfants, c'est pareil. Ils font les choses, ils les font pas méchamment. Ils expérimentent. Et nous, en tant que parents, en tant qu'éducateurs, eh bien, on leur montre là où ils se sont trompés ou d'autres façons de faire. Pourquoi est-ce que là, c'est aller trop loin dans le respect de l'espace de chacun? Et c'est l'apprentissage et la vie fait ça pour nous. Et tout ce que l'on vit, c'est juste la façon d'enseigner de la vie. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta remarque, Laurence. C'est grandiose votre explication. Bah, écoute, si ça te plaît, tant mieux. Alors, le nombre d'or dans la géométrie sacrée, il est omniprésent. Parce que le nombre d'or est dans toute chose. Du vivant. J'insiste, du vivant. Créé par le vivant. Je ne vais pas dire Dieu, parce qu'on peut avoir des conceptions très différentes les uns les autres de tout ça. Mais tout ce qui est naturel est basé sur le nombre d'or. Et donc le nombre d'or se retrouve dans la géométrie sacrée. D'ailleurs, on pourrait dire que la géométrie sacrée se développe sur le nombre d'or, au niveau des proportions, etc. Voilà, je ne vais pas trop rentrer là-dedans parce que je ne suis pas quelqu'un de très savant, en fait. Vous voyez, là, je vous parle depuis tout à l'heure, mais je vous bassine pas avec des connaissances. Je vous parle de mon expérience et de ma compréhension. Et je ne suis pas un livre. Je ne vais pas pouvoir vous citer c'est quoi la symbolique de toutes les couleurs, c'est quoi la symbolique de toutes les formes géométriques, c'est quoi la symbolique de tout ceci, cela, c'est quoi la théorie des trucs. J'en sais rien. Si je ne l'ai pas vécu, je ne sais pas ce que c'est. Je peux vous partager ce que j'ai expérimenté et compris, mais je ne suis pas quelqu'un de savant. Je n'ai pas lu plein de livres. À partir du moment où j'ai rencontré Lou Blanc, j'ai quasiment arrêté de lire. Parce qu'il me donnait tellement à expérimenter et à comprendre par moi-même que ça m'a largement suffi. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas lire. Hein, j'ai repris un peu de lecture, parce que c'est toujours intéressant. Mais voilà, je ne suis pas quelqu'un de très érudit. Voilà, je cherchais le terme. Alors, on peut se servir de l'eau pour sa mémoire. Oui, on peut. Il n'y a aucun problème. Tu peux utiliser l'histoire du verre d'eau et ça, tu peux travailler ça sans aucun problème. Tes facultés intellectuelles, tes cérébrales, ton intuition, les rêves, tout ce que j'ai cité tout à l'heure. Même l'abondance financière, on pourrait le travailler avec cette technique du verre d'eau. C'est sans souci. Et les organes. Alors les organes, tu parles des orgonites, j'imagine. Donc ces pierres avec... Alors ça dépasse complètement le cadre de mes compétences.
C'est une forme de comment dire? C'est une forme de comment on dit ça? Ce sont des formes géométriques en trois dimensions qui sont travaillées en plus avec des matériaux particuliers. Donc il y a des pierres, il y a du métal, des métaux, il y a la résine, et il y a parfois même des cristaux, des intentions. Et ça permet de faire des choses. Mais voilà, je connais pas trop. J'en ai chez moi. J'ai expérimenté certaines choses avec, mais voilà, je suis pas la personne la plus qualifiée pour t'en parler, donc je pourrais pas te répondre davantage. Est-ce qu'il y a des choses à voir avec la forme et les 8 côtés? Alors le décagone, il a 12 côtés. Et oui, chaque forme géométrique, forcément, ses propriétés lui viennent du nombre de côtés qu'elle a. Tu vois, un triangle, c'est 3 côtés, c'est pas pareil qu'un décagone qui a 12 côtés ou qu'un carré qui a 4 côtés. Et chaque forme va avoir son action particulière. Vous voyez, si vous voulez faire des expériences, je vais vous en proposer une qui est très marrante. La pyramide de Khéops. C'est une pyramide, c'est une forme géométrique. C'est une pyramide à 5 côtés, c'est-à-dire une base carrée et 4 triangles. Équilatéraux. Équilatéraux ou isocèles, je ne sais plus. Je crois que c'est équilatéraux. À vérifier. C'est quoi la différence? Le isocèle, c'est 2 côtés de même longueur et un troisième, et équilatéraux, c'est les 3 côtés de même longueur. La pyramide de Khéops, elle a une dimension très particulière au niveau de ses ratios, c'est-à-dire la longueur de chacune de ses arêtes. Si vous vous reproduisez à l'échelle une pyramide de Khéops, moi je l'ai fait, j'avais 17 ans, j'ai fait l'expérience. Et que vous prenez un petit support qui va faire la hauteur, le tiers de la hauteur. Et donc vous mettez un chapeau, comme ça, vous faites votre pyramide en carton en chapeau, vous allez la poser, vous avez votre socle qui sera au centre, au-dessus de la pointe de la pyramide. Et vous pouvez placer des objets au tiers de la hauteur. Alors, quelle expérience j'ai faite? J'en ai faite deux. La première expérience que j'ai faite, c'est que j'ai pris un fruit, que j'ai coupé en deux. J'ai mis une moitié dans la pyramide, ou un tiers de la hauteur, et j'ai mis l'autre sur la table, à l'autre bout de la table, à l'air libre, dans un Tupperware. Enfin, dans un Tupperware fermé. C'était pas à l'air libre. Et j'ai laissé pendant une semaine. Et j'ai regardé la différence entre les deux au bout d'une semaine. Si vous voulez savoir ce que ça fait, faites l'expérience. La deuxième que j'ai faite, c'est que j'ai pris une lame de rasoir qui était très utilisée, donc émoussée, et je l'ai mise au un tiers de la hauteur. Et je l'ai laissée pendant une semaine. Si vous voulez savoir ce qui se passe, faites l'expérience. Et pareil, on peut imaginer, hein, vous prenez une lame de rasoir qui est parfaitement neuve, et vous la laissez dehors la nuit, à la pleine lune. Et vous voyez ce qui se passe. Quelles influences ont les formes sur les objets, l'onde de forme. Voilà. Et ça, ce sont des expériences que vous pouvez faire chez vous. Et il y a des choses qu'on pourrait du coup conceptualiser, c'est-à-dire dire le triangle, il fait ça, le carré, il fait ça, le décagone, il fait ça. Mais j'ai envie de vous dire attention, parce que là, vous devenez un érudit. Et le piège de l'érudit, c'est qu'il est mental, il est cérébral. Ça veut dire qu'après, fort de votre connaissance, vous allez essayer de faire des choses. Mais l'univers est d'une telle complexité que jamais vous pourrez prétendre le connaître. Jamais. Donc, il vaut mieux apprendre à communiquer avec la part divine en nous, c'est-à-dire qui est en connexion avec l'univers entier, pour qu'elle vous guide à faire les choses. Et des choses que vous êtes incapables de concevoir. Parce que là, eh ben, il y a des choses qui peuvent se passer et qui vont vous échapper, mais au niveau intellectuel, totalement. Et quand j'ai fait cette planche pour l'abondance financière, pour suivre les enseignements de Loup-Blanc, je suis incapable de dire que telle forme géométrique, machin, c'est parce que ça a fait ça, et de le reproduire. C'est pas possible. Si moi, je fais la demande, j'ai fait la demande, j'avais quoi? Je l'ai rencontré en 98, j'avais 23 ans. J'ai fait la demande, j'avais 23 ans. Si je la refaisais aujourd'hui, ce serait très différent.
Pourquoi? Parce que je ne suis plus la même personne. Ça va pas passer par les mêmes choses. Parce que l'abondance dont j'ai besoin aujourd'hui ou que je souhaite aujourd'hui ne nécessite pas les mêmes compréhensions que celles où j'étais avant. J'ai grandi. Je me suis ouvert à certaines choses. Et donc, la leçon de vie qui pourrait me faire demander l'abondance aujourd'hui, elle n'est pas la même. Je n'ai pas les mêmes choses à comprendre pour débloquer cet aspect-là de ma vie. Donc, si moi, je me disais « Ah oui, je vais utiliser tel truc, je vais le mettre comme ça. » Ouais, mais moi, je suis un bisounours par rapport à l'univers. Qu'est-ce que je connais? Je connais rien. Je connais rien. Je connais un grain de sable dans l'univers. Donc, je préfère que l'univers, il me dise « Tiens, utilise ça. » Bon, ok, je fais confiance, j'utilise. Et après, je jauge en fonction des résultats. Je dis, ah oui, ça a marché. Ah non, ça n'a pas marché. Ou ça n'a pas l'air d'avoir marché. Et ça, mais ça, ça on déborde vachement du sujet dans le sens où c'est vraiment tout ce qu'on apprend dans le cursus complet d'enseignement des ondes de forme. On apprend cette communication avec cette part de nous-mêmes qui est plus sage, plus grande, parce qu'en connexion avec le tout. Et on a tout un panel de 30 émetteurs de radionique qui ont été créés par Lou Blanc et leur protocole d'utilisation. Et à partir de là, on vous montre comment votre créativité peut s'insérer dans cette pratique pour devenir unique et que vous puissiez demander tout ce que vous voulez, sans limite, dans la mesure où vous le faites dans le sens de l'évolution de chacun. On ne va pas faire de demandes, comme je disais, malveillantes. Non, l'outil, il est codifié pour que ça puisse absolument pas arriver. Pour que vous ayez direct le retour pour vous dire, eh, oh, coco, arrête tes bêtises. Et je peux vous dire, ça va très vite. Ça va très, très vite. Ça va pas attendre 10 ans pour vous amener la leçon. Ça va attendre quelques minutes, quelques jours maximum. Et vous allez l'avoir, votre claque. Eh, réveille-toi, coco, là. T'es pas dans le bon chemin. Mais c'est ça que j'adore, moi. C'est que, au moins, on perd pas de temps. C'est pas bon, et pouf, ça revient tout de suite. Et on grandit. C'est une leçon de vie. Et ça, c'est intéressant. Alors, justement, Nadia, les ondes de forme, dans ce cadre-là, tu peux l'utiliser pour tes demandes matérielles. Tu as besoin de guérir ton chat. Il est malade. Ça marche super bien sur les animaux. C'est un truc de fou. Sur les plantes, ça marche super bien. Sur toi, ça marche super bien. Mais qu'est-ce que tu peux faire? Ok, je veux ouvrir mon cœur. Je veux vivre un état de compassion. Je veux devenir un bodhisattva. Je veux faire des rêves initiatiques. Je veux développer mon intuition. Je veux être en contact avec mon ange gardien. Tu peux travailler sur ce que tu veux. Et il n'y a pas de limite. Et plus tu vas demander des choses, je vais dire élevées, en termes de tu vois, matériel, spirituel, divin, plus tu vas faire des demandes élevées, plus le travail va être conséquent. Eh oui, quand on demande à s'éveiller, c'est pas le travail en 5 minutes que tu tiens, hop, tiens, l'éveil. Non, ça prend des vies et des vies et des vies. Mais plus on demande des choses élevées, plus ça nous fait grandir aussi rapidement. Parce que la chose matérielle va nous amener. Tu veux ça dans la matière? Ok, faut que tu changes ça sur le spirituel. Ok, mais si tu demandes direct le truc divin, t'imagines tout ce que ça va révolutionner dans ta vie? Non, si vous ne l'avez pas expérimenté, c'est chaud à conseiller. Ah tiens, un deuxième. Coucou le deuxième chat. Alors, merci Lola. Écoute, je t'en prie. Laurence, faut-il avoir un taux vibratoire élevé pour attirer ce qu'on veut? Alors, je ne sais pas s'il faut qu'il soit élevé. Il faut qu'il soit différent. Je dirais, on élève son taux vibratoire quand on devient de plus en plus spirituel. Quand on ouvre sa conscience, quand on ouvre son cœur, c'est la même chose. C'est trois trucs pour dire la même chose. Ouvrez votre cœur, ouvrez votre conscience, augmentez votre taux vibratoire. C'est pareil. Donc, devenez plus spirituel. Transcendez l'humain pour devenir des anges, pour devenir spirituel. Et de spirituel, devenez divin. Devenez l'univers. Retrouvez la conscience première, celle qui nous a tous créés. On peut mettre Dieu derrière, on peut mettre ce qu'on l'on veut, mais notre objectif sur Terre, c'est de retourner à ça. C'est de retrouver
ce germe d'éternité en nous qui nous a jamais quittés et qui ne nous quittera jamais parce qu'il est la source de toute chose. Et donc, ton taux vibratoire, il va forcément se transformer en fonction de ce que tu veux. Mais je pense, sans en être certain, que oui, tu vas élever ton taux vibratoire pour atteindre ce que tu veux. Parce que forcément, pour atteindre ce que tu veux, il va falloir que tu aies des prises de conscience. Et la prise de conscience, c'est la chose qui te permet de grandir, d'augmenter ton taux vibratoire. Tu prends conscience. Ouverture de la conscience, c'est ça. Prendre conscience. Quelque chose, j'avais pas conscience, j'ai conscience. Ben, tu augmentes ton taux vibratoire. Et la conscience à 100%, c'est l'éveil. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien qui nous échappe. Plus rien. On a conscience de tous les enjeux, de tout ce qui se passe sur tous les plans, à chaque instant, à chaque seconde. Une présence totale dans l'instant. J'espère que j'ai répondu à ta question, Laurence. MH. MH, c'est quoi? C'est Marie-Hélène? Je me pose la question. Comment augmenter ton son, ton vibratoire avec la radio Nikki, alors? Eh bien, le verre d'eau. Enfin, là, je viens de répondre juste avant. Règle un truc dans ta vie et t'augmente ton taux vibratoire. Donc, règle tous les trucs dans ta vie qui ne te plaisent pas et tu vas augmenter ton taux vibratoire à chaque fois. Voilà, c'est aussi simple que ça. T'as envie d'une nouvelle voiture, t'y arrives pas, ça bloque, eh bien, trouve une nouvelle voiture. Et quand tu y arriveras, tu peux être sûr que tu auras augmenté ton taux vibratoire. Ça paraît bête, hein, mais oui, pour que tu aies une nouvelle voiture, il faut que tu changes. Si tu changes, c'est que tu as augmenté ton taux vibratoire. Alors, il y a des gens qui baissent leur taux vibratoire. C'est possible. Mais ça va être possible quand, tout d'un coup, on sombre dans la drogue, quand on sombre dans l'alcool, quand on se laisse, qu'on se vautre c'est quoi le mot? Le mot qui me vient, c'est les péchés capitaux, mais c'est pas ça, c'est un peu trop religieux. Quand on se vautre dans la facilité, enfin, je pense que vous avez saisi l'idée, quoi, le jeu, la sexualité, une vie de débauche, voilà, la débauche. Si vous allez là-dedans, bah, votre taux vibratoire, il va chuter. Vous vous laissez aller dans la dépression et vous avez des idées noires. Vous allez sombrer là-dedans. Mais sinon, le fait d'avancer dans votre vie et surtout prenez la responsabilité de votre vie. Ça, c'est le plus important. Parce qu'à partir du moment où vous vous dites « oui, tout ce que je vis, ça m'appartient », ça veut aussi dire que vous reprenez votre pouvoir pour la changer. Tant que vous dites « c'est pas de ma faute », bah, ça veut dire que ça ne peut pas changer, puisque c'est entre les mains de quelqu'un d'autre. Donc, reprenez votre pouvoir, et la première étape, c'est de dire « je suis à 100% responsable ». Et ça, déjà, c'est énorme. Si vous prenez votre responsabilité, eh ben, vous allez immédiatement, votre vie elle va commencer à changer. Et votre taux vibratoire va commencer à augmenter parce que vous allez comprendre des choses, vous allez grandir, vous allez changer votre comportement et petit à petit, vous allez gravir les échelons. Et si derrière, vous mettez à votre service une pratique spirituelle, eh ben, c'est gagné. Si vous prenez des verres d'eau et que vous dites « ok, ben, je sais pas, la guérison, l'ouverture de conscience, l'ouverture du cœur, vous pouvez mettre ça sur votre mot. L'abondance financière, vous pouvez mettre ça sur votre mot, sur votre verre d'eau. Eh ben, ça va vous aider à élever, changer votre taux vibratoire. Parce que l'eau, elle va vibrer la vibration de ce mot, de cette perspective. Vous allez la donner dans votre corps, et donc votre corps, il va être soumis à une vibration qui n'est pas la sienne, qui est différente, qui est plus haute. Et donc, vous dites à votre corps, « Eh, c'est ça que je veux vibrer. » Et lui, il va chercher à trouver un chemin pour vous y amener. Et le seul moyen de changer la vibration de votre cœur, parce que notre cœur, c'est le moteur magnétique de notre corps, eh bien, c'est de transformer vos émotions et votre mental. C'est à ce prix-là que votre cœur il peut vibrer différemment, il peut émettre différemment. C'est pour ça la pensée positive. Pensée positive jusqu'à ce qu'elle devienne une habitude. Quand elle devient une habitude, bah, vous vibrez quelque chose de différent. Au début, c'est dur parce que vous combattez une habitude inverse.
Vous pensez autre chose. Putain, je suis nul. Oh, je suis vraiment nul. Oh, je suis vraiment nul. Si vous dites, je suis génial. Chaque jour, je suis de plus en plus génial. Chaque jour, je suis de plus en plus génial. C'est la méthode Coué, hein, c'est tout bête. Mais au bout d'un moment, vous allez créer votre réalité parce que c'est ça que vous affirmez. Mais il faut l'affirmer avec le verbe, quoi, avec la conscience. Il faut être à 200% dans ce que vous dites. Il y a énormément de choses. Et la radionique, donc l'histoire du verre d'eau, pour juste commencer par ça, eh ben ça le fait à votre place. Vous donnez cette vibration que vous essayez de mettre, je suis de plus en plus génial. Chaque jour, je suis génial. Chaque jour, je suis génial. Ok, c'est vous qui amenez cette vibration par votre verbe, par votre intention. Mais si vous buvez l'eau trois fois par jour, vous ramenez cette information dans votre eau, à vous, dans 80% de votre corps. Et ça bosse pour vous pendant plusieurs heures. Et vous remettez une couche quelques heures plus tard. Et vous remettez une couche. Vous n'arrêtez pas d'être dans un bain de cette vibration-là. Je ne sais pas si vous imaginez la puissance du truc. C'est comme si vous, vous étiez en mode « je pense positif tout le temps par rapport à mon objectif ». Ça ne peut que apporter des résultats au bout d'un moment. Après quand? Ça dépend de vous. Mais ça dépend de vous, pas en fonction de si vous le voulez ou pas, combien vous le voulez en fort, mais ça dépend de vous. Où est-ce que c'est par rapport à vous? Plus c'est loin, plus ça va mettre du temps à venir. Et donc, ça dépend de vous, de là où vous êtes aujourd'hui. Si ce que vous demandez, il est loin ou pas de vous. Des fois, on fait des demandes, on les a le lendemain, ou dans la minute. Des fois, on fait des demandes et on les reçoit 10 ans plus tard. Ah ouais, des fois, il faut être patient. Mais parce qu'il y a plein d'autres choses à régler d'abord. C'est marrant, ça aussi. Alors, Marie-Christine, tu veux offrir la fleur de vie à ta nièce atteinte de mucoviscidose. Bah écoute, pourquoi pas. Et non, il ne faut pas un taux vibratoire élevé pour utiliser la radionique. La radionique, c'est un outil qui va t'aider à augmenter ton taux vibratoire, mais tu le déclenches pas toi. Tu le mets en place physiquement, mécaniquement, avec tes petits doigts. Enfin, même un manchot, il pourrait faire de la radionique. Je veux dire, n'importe qui. Bon ou mauvais, le méchant, le truand, le voleur, le menteur, tout comme le saint, tout le monde peut utiliser ça. C'est un outil, encore une fois, c'est un outil. Ton niveau de maîtrise de l'outil va dépendre de ton expérimentation de l'outil. C'est tout. Il n'y a pas de contre-indication sur qui peut utiliser ou pas. C'est vraiment facile. Alors, un enfant handicapé a quelque chose à apprendre ainsi que pour ses parents. Oui, en fait, oui, je suis d'accord avec ça. Après, l'enfant handicapé n'a pas forcément besoin d'être différent. Il n'a pas forcément à conscientiser une leçon particulière. Parce que, après, ça dépend du type de handicap. Mais tu vois, je prenais un exemple d'un autiste. Il va avoir une conscience très particulière du monde qui l'entoure, avec une capacité aussi à l'appréhender et à le réfléchir. Et sa vocation, c'est pas de comprendre pourquoi il est né comme ça. Il a quelque chose à vivre et il va le vivre très bien. Il va le vivre très bien dans le sens où il n'a pas besoin qu'on l'aide à vivre ça. Il faut juste l'accompagner dans ce qu'il est, etc. Mais il n'a pas besoin de comprendre un truc particulier par rapport à son handicap. Par contre, les parents qui ont un enfant handicapé, ça vient aussi les aider à travailler leur leçon de vie. Et je sais que c'est pas facile. J'ai un ami qui a un enfant autiste. Et c'est un chemin, c'est un chemin qui est difficile, mais qui est beau aussi, et qui amène énormément de guérison pour celui qui se bat pas contre, mais qui l'accompagne, qui comprend que c'est le chemin aussi que lui a choisi. Lui et son fils, ils ont choisi ça ensemble. C'est pas anodin, hein. Ouais, mais dites-moi, ça fait presque 2 heures qu'on est ensemble. Waouh. Alors, je regarde, Muriel, t'hésites pas à me dire si tu vois des choses aussi dans le chat. Alors, Nat nous dit qu'elle a fait une expérience pour améliorer une relation avec une personne et que ça a marché. Alors, je sais pas si tu avais dit précédemment sur quoi, mais oui, bien sûr. Je n'en doute pas que ça marche. J'ai 20 ans de pratique et je peux te dire que des trucs de fou, on en voit des machins, super. Demande, est-ce qu'on peut
Une demande ne peut se faire pour quelqu'un d'autre. Alors, dans le cas du verre que je vous ai donné, eh ben, vous pouvez très bien faire boire à quelqu'un de l'eau que vous avez initialement informée avec une intention particulière. C'est possible. Là, ce que je vous ai donné, c'est un début de radionique. Hein. Mais vraiment un tout début. C'est le niveau zéro. Et c'est génial déjà. Après, on peut faire des choses beaucoup plus fortes, beaucoup plus précises, beaucoup plus impactantes, puissantes. Mais ça demande un apprentissage. Ça demande de l'expérimentation. Et ça demande à être appris de façon encadrée. Et parce qu'il y a beaucoup de paramètres importants à intégrer. Et le travail sur autrui, c'est encore l'étape d'après. Et là, quand on travaille sur autrui, il faut que la personne soit d'accord. Il faut que ce soit sa demande. On peut lui dire, tiens, si ça t'intéresse, je peux faire un travail pour t'aider à ça. Elle dit oui, elle dit non. Si elle dit non, tant pis, vous lâchez, c'est pas à votre boulot. Vous, vous avez fait votre travail, vous lui avez proposé. Elle, elle refuse. Ok, c'est sa responsabilité, vous n'avez pas à vouloir, vous, l'aider. C'est important, ça aussi, hein, de respecter le libre arbitre de chacun. Alors, décagone, c'est 10 côtés. Ouais, c'est ça, j'ai dit 12. Ouais, je m'excuse, c'est dodécagone, le 12. C'est 10 côtés. Donc, on est bien sur un décagone, 10 côtés. Oui, voilà, Mien qui dit tout ce côté dodécagone. Excusez-moi pour là. Le fruit ne pourrit pas dans la pyramide, mais il sèche. Oui, Hélène, exactement. C'est ça. C'est le principe de la momification. Tout à fait, MH. C'est un décagone. Voilà, Annie, c'est ce que je précise. Alors, vous êtes nombreux dans le chat, donc du coup, il y a beaucoup d'interactions. Oui, alors, Sandrine, ça fait partie de l'enseignement complet des ondes de forme. On peut apprendre à créer des ondes de forme personnalisées. Mais ça demande à avoir commencé à bien balayer tout le process pour être à l'aise et bien comprendre par où ça passe. Mais c'est tout à fait possible. Alors, le paiement, ça me dit domaine désactivé. Ouh. Alors là, ça, c'est pas bien. Domaine désactivé. Domaine désactivé. D'accord. Alors, ça, c'est un petit problème technique comme ça, on va le résoudre. La technique s'en occupera. D'accord. Bon, déjà, vous avez la page pour pouvoir nous rejoindre. Donc, ça veut dire que le paiement va se faire. Et de toute façon, derrière, je vais pouvoir vous gérer, même s'il y a un petit problème technique là, pour l'accès aux ateliers. Donc, je vais vous parler des ateliers pour que vous sachiez où est-ce qu'on va, même si c'est marqué sur la page. En tout cas, vous avez été curieux d'aller voir, j'en suis très flatté, merci. Et vous inquiétez pas, parce que les ateliers, on va les faire en live, on va les faire ensemble, il va y en avoir 3. Je sais pas si j'ai mis les dates déjà ou pas sur le site, et ils vont être enregistrés. On va se les faire en visioconférence, donc on pourra interagir en direct, vous pourrez prendre la parole, et vous allez voir, on va bien se marrer, et ça va être vraiment sympa. Et donc, pendant ces 3 ateliers, à une semaine d'intervalle, on va se retrouver pendant 2 heures. Et on va aborder chacune des 3 thématiques. Donc, le fait d'augmenter son taux vibratoire, c'est la première. La deuxième, ça va être le fait d'être en capacité d'augmenter les capacités cérébrales, intuitives. Et la troisième, on va apprendre à soutenir la santé, tout ce qui est en rapport avec le bien-être et la santé, en introduisant aussi toutes les vibrations des pierres précieuses. Voilà, pour vous faire le détail de ces 3 ateliers. Et ça va être une introduction hein, dans cet univers de la radionique. Et si vous voulez aller plus loin après, ce sera possible avec un enseignement plus conséquent sur les 2 week-ends. Mais à ce moment-là, je vous en reparlerai pendant les ateliers. Et ceux qui voudront franchir le pas pour apprendre plus, je vous rembourserai le prix de l'atelier. Voilà, comme ça, vous savez. Pour moi, c'est vraiment une idée de vous amener un outil que vous allez ultra pratique. C'est-à-dire, à la fin de chaque atelier, vous allez pouvoir mettre en pratique directement pour les utiliser.
et que vous puissiez les utiliser au quotidien pour expérimenter déjà les bienfaits de ce que ça va vous apporter. Donc voilà. Donc vous inquiétez pas si. Tiens, Hélène, je te pose la question, je vais remonter la rapide dans le chat. Pas de date, j'ai dû payer deux fois faute de désactivation. Ok, alors t'inquiète pas, Hélène, s'il y a un petit souci, si tu as payé deux fois, il y aura un remboursement d'une des deux fois, il n'y a pas de problème. C'est probablement de ma faute, c'est moi qui ai paramétré le tunnel pour le paiement et tout ça, donc j'ai peut-être fait un couac, c'est possible. Et je gérerai derrière. Hein. Laissez-moi juste 24, 48 heures et je gérerai, il n'y a aucun souci. Alors, combien de temps dure un atelier et quand se déroulera-t-il? Ben voilà, je pense qu'on va les faire. Attendez, je vais sortir mon agenda parce que je pense les avoir notés de mon côté. Donc, je vais vous le dire tout de suite. Alors, combien de temps dure un atelier et quand se déroulera-t-il? J'adore les coups. Donc, le 26 janvier, le mardi soir 20h, ce sera le premier atelier. Et ensuite, il y aura un atelier par semaine. Et on va faire trois ateliers, donc le 2 février et le 9 février à 20h. Voilà pour les dates. Et ils vont durer 2 heures. On aura 45 minutes de théorie et le reste, ce sera vos questions. Et si on fait un peu moins de 2 heures, on fait un peu moins de 2 heures, mais la pratique m'a montré qu'en général, on faisait 2 heures. Voilà, je pense avoir répondu à vos questions. Alors, Lilou a momifié des citrons. C'est génial. T'as fait quoi, des citrons momifiés? Je suis très curieux. Comment suivre les stages de radionique intuitive? Alors là, pour les stages de radionique intuitive, le mieux, c'est de me contacter en privé. Là, j'ai mis mon email au-dessus. Et parce que pour l'instant, on n'a pas de date encore sur les prochains cycles. Donc, je peux pas te dire quand ça se passera. Par contre, ce que je peux te dire, c'est que là où on les fait, c'est dans le Tarn-et-Garonne, au-dessus de Montauban, et que ça se déroulera sur 2 mois, c'est-à-dire un week-end par mois. Un week-end, on arrive le vendredi soir, on commence à 21h et on finit le dimanche à 18h. Voilà. Après, j'en reparlerai pour ceux que ça intéresse. Mais ce que j'ai envie de vous proposer, domaine disabled. Je vais juste vérifier un petit truc quand même. Je voudrais pas que vous repartiez dans la nature avec un petit souci qu'on puisse pas, vous recontacter derrière. Ce serait vraiment ballot. Tchac. Alors. Non, c'est bon. Ça a bien pris en compte vos inscriptions là pour ce soir. Donc, je remercie Véronique, je remercie Hélène, Isabelle, Hélène à nouveau. Ben, je vois tes deux versements et Nathalie. Ben, j'ai bien vu que vous nous avez rejoint. J'ai regardé que les premiers. Donc, il n'y a pas de souci. Ça a bien été pris en compte. Donc, désolé pour le petit couac derrière. Je m'arrangerai pour vous envoyer tout ce qu'il faut par mail demain. Ah, pas de. Alors, je vais répéter les dates, oui, parce qu'il y avait l'écho. Le 2 février, le 9 février, et la semaine d'avant, le 2 février, c'est le 26 janvier. 26 janvier, 2 février, 9 février, de tête. Je remets mon agenda. C'est ça, 26 janvier, 2 et 9 février à 20h. Et ce sera enregistré. Vous aurez accès sur un espace membre, donc vous avez un accès personnel qui va vous être envoyé aux rediffusions et je vous enverrai le matériel puisque vous allez avoir en particulier le décagone que vous allez imprimer pour le premier atelier parce qu'on va le faire ensemble en direct. Je veux que vous expérimentiez direct dans l'atelier. Je veux qu'à la fin de l'atelier, vous ayez dit « Punaise, c'est de la balle ce truc-là. »
Je ne veux pas que vous attendiez après. Je veux qu'on le fasse ensemble. Ce sera beaucoup plus marrant. Moi, en tout cas, ça me fera rire. Donc, après vous, je ne sais pas. Ça dépend ce que vous expérimentez. Mais voilà, on va expérimenter pendant. Et je vous enverrai, du coup, le matériel. Je le mettrai à disposition sur la plateforme de où il y aura les rediffusions ensuite. Et vous pourrez y accéder quand vous voulez. Donc, si vous n'êtes pas là un soir, c'est pas grave. Vous pourrez voir la rediffusion. Et si vous avez des questions et que vous ne pouvez pas être là, vous me les envoyez. Et moi, je les inclurai dans l'atelier. Ou si on a fini les ateliers, je vous répondrai directement. Alors, bien évidemment, je ne vais pas vous laisser dans la nature. Ça, moi, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est que vous ayez un outil, que vous soyez en capacité d'utiliser tout de suite pour faire une différence dans votre vie. Parce que pourquoi est-ce que j'aurais envie de faire ça? Il y a un truc que m'a appris l'enseignement de Lou Blanc. C'est que moi, je ne sers pas à grand-chose. Ma vie ne sert pas à grand-chose si elle ne sert pas la conscience. Et si je peux apporter quelque chose qui vous permet, vous, d'ouvrir votre conscience et de commencer un chemin spirituel de travail sur vous, alors le monde sera meilleur. Parce que vous aurez rejoint ceux qui cheminent. Et j'attends avec impatience qu'il y ait un point de bascule. Est-ce qu'il viendra, est-ce qu'il viendra pas, c'est une autre histoire. Mais pour que l'humanité sorte de cet âge quasi démoniaque dans lequel on se trouve en ce moment, où on est privé de toutes nos libertés, en vous nous refiliez une thérapie génétique qui n'a même pas été prouvée ou quoi que ce soit, on ne sait pas si ça va pas flinguer 80% de l'humanité, et où on est dans de la censure totale de partout, des trucs complètement aberrants. On nous fait porter des masques alors que ça sert quasiment à rien. On a perdu beaucoup de choses. Et on est dans un monde qui ressemble pas à ce que j'ai envie pour mes enfants. Donc, plus on sera nombreux à se dire, on est responsable de ce qui nous arrive, on a la capacité de reprendre notre vie en main, et ben, meilleur sera le monde. Et c'est tout ce que je peux souhaiter, c'est qu'on soit, nous et nos enfants, dans un monde meilleur. Voilà. Alors, je sais pas si vous avez des questions par rapport à tout ça. Par rapport aux ateliers, je vous propose qu'on reste encore, allez, maxi 15 minutes encore ensemble, parce que ça fait déjà 2 heures qu'on papote. Mais si on me cadre pas, je pourrais partir des jours et des jours à vous parler de tout ça. Alors, voilà, si on ne peut pas assister, on peut le réviser. Oui, ben voilà. Vous avez un accès libre à toutes les vidéos. Et si vous voulez, je vous les mettrai même en audio si vous voulez juste les écouter. Vous les mettre sur votre téléphone, sur quelque chose. Voilà, ça, c'est pas un problème. Alors, à travers ces ateliers, on pourra agir sur l'abondance financière. Oui, l'ouverture du cœur, oui. Dès le premier atelier. D'ailleurs, si vous voulez, on l'expérimente pendant l'atelier. On en choisit un et on l'expérimente tout de suite. Dans l'heure. Bam. Jusqu'à quand peut-on s'inscrire? Ah, écoute. J'ai envie de te dire, ça dépend. Tu veux participer au direct et venir jouer avec nous ou pas? Parce que si oui, tu veux venir au direct, il faut t'inscrire avant le prochain atelier. Et si pour toi, ce n'est pas très important, mais quand même un petit peu, inscris-toi avant le dernier atelier. Parce qu'au moins, tu pourras venir en direct au dernier atelier. Maintenant, typiquement, si dans 6 mois, tu décides de déclencher, tu n'auras accès qu'aux rediffusions. Voilà, c'est tout ce que je peux te dire. Alors, MH, tu as beaucoup de coupures. C'est pourquoi on va utiliser Zoom pour travailler les ateliers, parce que c'est beaucoup plus stable que Webinar Jam, la plateforme sur laquelle on se trouve actuellement, que YouTube, que tous les autres systèmes que j'ai pu tester. Et ça nous permettra d'être en visioconférence tous ensemble. Donc, on pourra se parler, vous pourrez me montrer votre tête, je pourrais vous montrer avec des jeux. Vous allez voir, j'ai un système génial, je branche le téléphone, l'ordinateur, le téléphone, je fais en vide dessus, vous allez pouvoir voir ce que je fais. C'est marrant. On se professionnalise avec le temps, c'est super. Non, je voulais dire 48 heures, 3 jours, ben voilà. François, oui, j'ai répondu. Tu t'inscris quand tu veux. Si tu t'inscris avant les ateliers, ben, tu pourras participer en direct. Si par contre, tu décides de t'inscrire dans un mois, eh ben, il y aura plus de direct, ce sera passé. Mais tu auras toujours accès aux ateliers, ce sera toujours possible.
Bah, merci, vous êtes encore 70 là à être en ligne à cette toute fin. On en a perdu 40 presque. Hein. Mais bon, au bout de 2 heures, c'est un peu compréhensible. Je suis très drôle. Bah, tant mieux. Le sens de l'humour est très appréciable en ce moment, dans le monde qui est complètement zinzin. Là. Si on n'a pas d'humour, on va rentrer en dépression profonde. Donc, ayez de l'humour, prenez un peu de distance par rapport à tout ça. C'est un grand jeu de la conscience pour nous amener à comprendre des choses. Et puis, si on ne comprend pas, bah, la solution ultime, c'est quoi? Quand on est sclérosé dans notre incarnation et qu'on ne peut plus grandir, bah, c'est la mort. Hein, pour pouvoir passer à autre chose. Parce que la mort, c'est juste, on s'arrête un truc pour continuer ailleurs. Donc, s'il faut, cette humanité périra. Et on la remplacera par un autre terrain de jeu. Mais bon, j'espère qu'on pourra continuer à jouer ici quand même. Parce qu'il y a des très 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 belles choses ici. Alors, est-ce qu'on aura accès à d'autres formes que le décagone? Alors, pendant l'atelier, oui. On va voir un émetteur de radionique. Très très puissant, qui a créé l'eau blanc. Donc, il y en aura un autre. Mais il n'y en aura pas plus. Et vous allez voir, mais juste avec ça, juste avec le décagone, mais vous imaginez pas tout ce que vous pouvez faire. C'est un truc de fou. Mais il y aura quand même une forme, un émetteur radionique particulier, et on va le détailler, comment est-ce qu'il fonctionne, etc. Alors Nathalie, oui, là j'ai vu que toutes les personnes qui ont voulu faire le pèlement avaient ce problème de domaine disabled. Ça doit être un problème de redirection à la fin. Mais vous inquiétez pas, c'est bien passé, même si vous avez ce message d'erreur. Et si vous avez des doutes ou quoi que ce soit, mais envoyez-moi un message. Vous avez le mail. Et vous savez quoi? Je vais faire mieux que ça. Alors, hop, je l'enlève. Tadam! Donc, pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, je vais vous gratifier d'un truc génial. C'est mon numéro de téléphone. Et vous me lâchez un message sur Telegram, sur WhatsApp ou sur Signal ou sur AllVid et je vous répondrai. Voilà. Je peux pas faire mieux. Je peux pas faire mieux. Je peux pas faire mieux que ça. Ou alors, faut me dire comment. Ah, je suis toujours prêt à m'améliorer, bien sûr. Ça a été très intéressant. Ben, écoute, merci à toi, Sandra. Merci d'avoir été là jusqu'au bout. Je suis très honoré. Ça me fait vraiment, vraiment plaisir. Marie-Christine, merci pour votre joie. Alors, je vais vous dire un secret, c'est que il faut me tutoyer parce que sinon, je prends un coup de vieux. Mais merci, merci d'avoir été là. Merci, ça me fait vraiment, vraiment plaisir de vous partager tout ça. Et il y aurait encore beaucoup de choses à partager. Si ça vous intéresse, je reviendrai faire d'autres conférences avec un grand plaisir. Là, j'aime bien. Ça me plaît. Merci pour ta grande générosité et belle soirée. Merci France, belle soirée à toi. Merci pour cette belle conférence, Sandrine. Merci beaucoup, c'était super intéressant. Sylvie, avec plaisir, conférence passionnante, Laurence. Eh bien, avec un grand plaisir. N'hésitez pas à me faire des retours. Vous avez mon mail, vous avez mon numéro. N'hésitez pas, ça me fait toujours, toujours plaisir. Et ça permet de déclencher d'autres choses parce que je me demande toujours, ok, qu'est-ce que je peux apporter de plus? Et sur quel autre sujet est-ce que les gens ils auraient envie d'écouter? Vous voyez, je vous ai dit, ça fait 23 ans que je suis un enseignement authentique. Il y a plein de choses qu'on pourrait raconter. Vous imaginez ce qui a été expérimenté en 23 ans? C'est énorme, quoi. Tu es vraiment solaire. Et oui, je suis lion. Mon signe, c'est un signe solaire, lion. Je l'assume. Regardez, il y a du orange. C'est ça. C'est à cause du gilet que je suis solaire. C'est pour ça. Eh bien, un grand merci à tous. Merci, merci. Eh bien, je vous propose qu'on se quitte. Muriel, peut-être tu as un mot de la fin. Merci de m'avoir accueilli. Un grand merci à tous. Merci beaucoup, Fabrice. Un grand merci. Namasté. Merci à vous toutes et à vous tous. Merci pour votre patience.
concernant les petits problèmes techniques et on vous dit à très bientôt. Belle soirée à vous tous et merci encore d'avoir été présents. Bye bye, merci beaucoup.